Allô? Allô? Il y a quelqu'un? Moi, live now! Il faut appuyer sur le bouton, vite! Le bouton tout rond, enfin il est carré sur un stream deck, mais on va dire le bouton tout rond, c'est pas grave. Bonsoir! Salut Thunder Blue Eyes! Salut! Yeah! Il faut être au moins 3, je crois, pour faire la proclamation, yeah! Pour qu'ils sortent! Mais yeah! Ah, attends, je te le fais. Tu sais quoi? Dans un bonjour. Yeah! Vous chanterez des chansons, exactement. Coucou Woodchuck, coucou Yue. Comment ça va par chez vous? Bonsoir, Maepik. Alors désolé, je termine ma petite. Non, mais Rebecca, elle est sur les réseaux, elle s'en fout de la musique. C'est faux, elle est en train de faire de la publicité. Encouragez-la. Parce qu'elle a bien du courage de faire ça, alors que c'est relou. Que je déteste faire ça. Car qu'elle déteste faire ça. Salut Aton. Horrible de faire ça. Salut, ça fait trop plaisir de voir des super musiciens après mon premier concert sur scène. Ah, on sent une publicité déguisée dans le message. C'est-à-dire. Comment ça s'est passé ton premier concert sur scène? Il a peut-être. Enfin, c'est peut-être que. Ça s'est mal passé avec. T'avais pas des super musiciens avec toi, c'est ça? J'ai pas compris la phrase. Salut Mister Diode. Ben, je sais pas. Peut-être qu'il va nous expliquer. Peut-être. On a vu le séquestrateur qui arrivait un peu plus tôt. Évidemment, aujourd'hui, on commence à 21h passé, histoire de vous avoir laissé l'opportunité pour les habitués d'aller voir un petit peu ce qui se passait chez le capitaine Alex, qui était en live à partir de 20h. Donc j'espère que vous avez pu bien kiffer. Il doit faire 38 degrés maintenant dans sa piole, donc je pense qu'il va pas tarder à s'arrêter. Donc à se déshydrater, ouais. Mais donc ouais, j'espère que vous avez pu passer un moment sympa chez le capitaine. Je pense qu'il y en a la plupart qui sont encore là-bas de l'autre côté. 33. Mais ça va vite monter. Je sais pas comment il fait. Non, il est trop loin. Il est derrière. Ouais, non, mais nous derrière. On a deux ventilateurs. Salut Chachachou. Un chacun. Ouais. Oh, elle a des emotes. Elle a des emotes Hollow Knight, c'est trop bien. Ah, je crois qu'il avait un slip rouge. De Pharaon. En petit, je crois qu'il faisait un petit slip comme ça. Je me dis, mais pourquoi il a une emote de slip Hollow Knight? Je comprenais pas. Un emote de slip. Et oui, I cannot sleep. Salut, Juan Evers. Alors sachez, aujourd'hui, je le répéterai plusieurs fois en cas où, j'aurais dû le mettre écrit parce qu'il est dans les règles du jour, et encore que le bot se met pas à jour tout le temps pour les règles du jour, et ça m'énerve. Hein Yue, n'est-ce pas? Toi-même tu sais. Aujourd'hui, si jamais vous ramenez des copains ou qu'il y a des nouvelles personnes qui débarquent et qui font des requêtes, on jouera leurs requêtes en priorité, histoire de les remercier d'être parmi nous aussi, pour cette fête de la musique, histoire d'eux. Donc voilà, si vous ramenez des potes, ou qu'il y a des nouvelles personnes qui sont sur ce stream, n'hésitez pas à faire des requêtes. C'est déjà ouvert pour les requêtes, hein, normalement. Je rappuie sur le bouton tout carré au cas où. Mais ouais, s'il y a des nouveaux, on se fera un plaisir de leur jouer leur requête en premier. Coucou Balek. Salut Balek. Et sinon, comme d'habitude, hein, sinon après pour le reste des requêtes, hein, ça ne change pas, évidemment. Nixfé. Salut Nixfé. Ah, c'est bien ça, déjà Mr. Dodd qui a demandé « Can't get you out of my head ». Ah cool, head. Trop bien. Aton qui disait, pardon. Aton qui disait « C'était super, juste que ça fait plaisir de vous voir et je suis heureux d'avoir joué avec cet atelier de jazz de mon école de musique, trop bien. On a joué 3-4 morceaux pour un groupe de jeunes du SNU, du Service National Utilitariste, je sais pas, vers 18h30, universel sûrement, Service National Universel ? Aucune pub cachée. Non, oui, non, mais t'inquiète pas. Et oui, désolé, j'écris lentement. Non, pas de problème, mais t'inquiète pas, Aton. Oulala, trop de désolé. Salut Magalilou. Coucou Magalilou. Universel, oui, voilà. Non, je disais des conneries. C'est trop bien ça, vous avez joué quoi comme morceau dans l'atelier de jazz? Vous avez joué des standards, lesquels? Genre Summertime, quoi, les Autumn saucissons Leaves. Autumn Leaves, et puis quoi d'autre? Je sais pas, il y en a tellement qui sont. Plein. Oui. Je sais pas qu'est-ce qu'il y aurait comme autre standard standardisable. Merci Juan Evers en tout cas pour le. Et alors tu voulais pas, tu vois, comme on est en train de parler, pouf, gros plan. Non, Rebecca, je t'ai dit, j'ai pas eu le temps de le mettre en place. Ah ouais, enfin, d'accord. Si tu veux, hein, mais il y aura non. pas le chat. Ah non, c'est bah ça, alors le problème. Non, fais pas ça. Je t'ai dit, je le ferai pour les prochaines fois, j'ai pas encore le temps. Ouais, c'est ça. Mais là, j'aurai pas le temps de faire ça. Salut, chachachou. J'essaie de tourner de la caméra pour toi encore, Rebecca. Ouais. Ça marche. Un petit peu. Bon, on espère que vous allez bien ce début de semaine. Il fait un peu moins chaud, quoique. Il y a eu des gros orages. Hein. Quoique. Mais en fait, non, moi je trouve qu'il fait encore super chaud en vrai. Je suis sortie aujourd'hui pour la troisième fois pour aller à la poste, mais cette fois-ci j'ai réussi à poster mon colis. Alors tu es sortie pour la troisième fois pour aller à la poste, pas pour la troisième fois aujourd'hui. Oui, ouais. Je suis sortie qu'une seule fois aujourd'hui, mais. Salut Niobé. Salut Niobé, coucou. Ouais, non. Les valseuses, Omar Amoto et One Step Beyond. C'est du ska, mais bon, c'est le nom de l'atelier, j'ai plus rien. Ah, ok, d'accord, j'allais dire, je connais pas ces standards de jazz, les valseuses et Omar Amoto. Ouais, c'est. À la limite, un truc japonisant, tu vois, Omar Amoto, quelque chose comme ça, mais non, pas du tout. Courage, ouais. Mais des boules qui est, c'est très con pour regarder un stream musical. Oui. Ou mais des écouteurs à fond. Ah oui, exact. Ah bah oui. Ah ouais, vite. Ça fait longtemps, Niobé. Mets un casque.
Alors que vous remplissez la songlist certainement de vos meilleures chansons pour la fête de la musique. De la musique. Et nous vous en remercions. Je vois qu'il y a déjà Mister Diode et Juan Evers qui se sont précipités. N'hésitez pas, évidemment, vous savez comment ça se passe. Si vous savez pas comment ça se passe, vous faites point d'exclamation. Comment? Voilà, tout simplement. Vous savez comment ça se passe. N'hésitez pas évidemment à faire un petit coucou dans le chat pour les gens qui regardent la rediff sur YouTube. Coucou les gens de YouTube, n'oubliez pas de laisser un commentaire et un pouce bleu histoire de nous dire que vous êtes en train de regarder cette VOD et que ça sert à quelque chose. Voilà, et vous pouvez leur écrire. Là vous le voyez pas, mais il y a le chat pour les gens qui sont qui regardent une VOD. Voilà, ça s'affiche pas en live, mais ça s'affiche sur la rediff. Donc vous pouvez leur dire bonjour. Content de vous retrouver. Oui, bah ouais, diplomate. Coucou Talion. C'est l'italien. Ouais. L'heure fin du stream du capitaine. Ouais, ça marche, pas de problème. Oh, je me doute bien. Pas de souci. Tiens d'ailleurs le. Ah si voilà, ça a marché. J'ai soif déjà, j'ai tellement soif. J'ai soif. Ah là là. Bon alors comment ça se... A priori si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas de fête de musique chez vous. Ou alors vous n'aimez pas sortir pour la fête de la musique. Bah surtout s'il pleut, tu vois. Bah ouais. Effectivement, s'il y a de l'orage et tout. Beaucoup de fêtes de la musique ont été annulées. Gentlemen, coucou. On a fait une soirée d'enfer samedi soir avec votre aide. Chez le Riquin. Mais oui, ah ouais, la sœur, c'était cool sympa. Ça. Il était trop bien. Astaro. Merci Astaro. Asta avec double A. Astaro. Alors attends. Alors Astaro, bouge pas. Hop, hop. Merci Astaro pour ton abonnement de niveau 1. Bienvenue dans le compte. Coucou, coucou. Ça y est, maintenant tu as des emotes rigolotes. Ouais, t'as les emotes animés. Alors, et t'auras aussi la commande des caméras, Astaro. Il faudra que je fasse un message de rappel pour les bénéfices des abonnés, en fait. Oui. Qu'ils sachent qu'ils ont des commandes sonores, qu'ils ont les commandes des caméras pendant les morceaux, qu'ils ont les émotes animés, les pas de pub. Ça, c'est les trucs habituels de Twitch, mais ce qu'il y a d'exclusif par rapport à chez nous. Deux requêtes en file d'attente, enfin, plein de trucs, quoi. Plein de trucs. Coucou, Reynald. Bonne fête de la musique à toi aussi. Hop là. Je mets ta quête. Ouais, ouais. Hop. Et bonsoir Reynald, merci qui nous souhaite bonne fête de la musique. Ben, ouais. Nous vous le souhaitons aussi. Voilà. Salut Sasuke. Alors on n'a pas de métal, diplomate. Il faudra aller chez Aishu. Qu'est-ce qu'on a à part du System of a Down, un de ces quatre, on n'a rien qui se rapproche de tu vois. On n'a rien qui se rapproche du métal. Ah, moi j'aimerais bien faire du Rammstein en acoustique, Rebecca. Un tu jour, sais bien. Oui, non, mais il y a. Ça serait trop cool. Ouais, il y a tellement de choses à faire, je sais bien. Un peu de Linkin Park aussi, bon, c'est pas du métal, mais voilà. Non, ça c'est un peu... ouais, c'est pas du métal. Puis de toute façon, avec en acoustique, bon. Salut Sasuke, on va bien. Et toi, tu n'as pas trop chaud? Pas trop chaud. Ouais. On va commencer. Ce serait bien. Ouais. On va commencer. Alors, par quoi, bonne dame? Eh ben. Allez, tant pis, je m'abonne. C'est pas grave. Salut Astaro qui demande de faire the news. Allez. Trop bien. Eh ben, tu sais quoi? Je propose qu'on remonte aussi la requête d'Astaro, qui, je ne sais pas s'il avait déjà fait beaucoup de requêtes chez nous. Et on avait dit qu'aujourd'hui, pour la fête de la musique, ben les nouveaux, hein, qui n'ont jamais fait de requêtes sur ce stream, manifestez-vous, évidemment. On vous montrera vos requêtes en tête de liste, histoire que vous sachiez comment ça fait. Bonsoir. Salut Max. Comment c'était chez le capitaine? On va commencer, parce que peut-être qu'ils font les deux onglets, ils font les doubles. Ah ouais, ils sont chauds. Et merci à Staro. Ah bah, 3 mois. Ah non, diplomate. Et Juan Evers. Oh mon dieu, au secours. Train de live. Déjà. Mais déjà, mais oh là là. Je suis pas prêt pour le train de live, attendez. Oh, déjà les remerciements. Pour diplomate. Merci, diplomate, pour ton abonnement de niveau 1. J'aime bien piquer les voix de Rebecca, elle est obligée de faire autre chose après par-dessus. Salut Cédric. Et merci Juan Evers pour le Twitch Prime. Merci Juan Evers pour ton Prime Gaming. Il est compliqué pour moi celui-là, il est très haut. Oh yeah, donc merci diplomate évidemment. Et qui sait qu'on a raté d'autres? Eh ben c'est déjà bien. C'est bon, on est ouais. Bon là. Allez, le train de la hype. Ah, je vous fais un mini jingle train de la hype. Il vient de passer en version contemporaine. Voilà, tout à fait Max Power. La première extra. Et en plus, c'est la fête de la musique. Et en plus, il y a le train de la hype. Regardez ça. Oh ouais, le cloud train. Même gars qui a fait la même comme chose toi. Que moi. Oh yes.
signe B pour les claps. Vient de massacrer Mad World, lol. Enfin, fini, quoi fait en version contemporaine. Ah, voilà. Ah. Astaro qui dit, en tout cas, sa première requête, ce sera en dédicace à la femme de sa vie qui lui apporte oh. tellement de bonnes oh, choses. Oh, c'est beau ça, avec un message en dédicace. Merci Kwakawet. Merci Kwakawet. Merci de participer pour le train de la hype. Merci à toi pour les 100 beats. Jean-Pierre Coff. Voilà. S'il existe. Non, il n'existe plus. Si tu connais un ami, ou si tu veux l'offrir à Zerator, on ne sait pas. Ou si tu n'aimes pas ce stream, tu peux l'offrir à un ennemi. Voilà, quelqu'un que t'aimes pas, comme ça, il sera obligé de venir. Ah, oh, c'est nul. Mais c'est nul. Comme tu veux. Ouais. Je voulais jouer à Borderlands 3, mais je vais rester ici. Oh, il avait oublié. Comment t'avais oublié? C'est la fête de la musique, alors c'est pour moi, qui veut un abo? Oh, dis donc. Ah, allez, manifestez-vous. Attention, le premier qui répond. Qui veut un abonnement? Qui veut un abonnement? Allez-y. Salut à Atonecton. Et sachez que, vous voyez, il y a un compteur en haut à gauche de l'écran, c'est quand on débloquera un nouvel emplacement d'émoticône. On a 333. Quand, oh, c'est beau, 333. Quand on arrivera à 400, eh ben, on aura un nouvel emplacement pour mettre une nouvelle émoticône. Et on va, ouais. bientôt, on va en refaire plein. On fera des sondages sur Discord dans le salon des subs, puisque c'est ceux qui sont concernés pour les émoticônes, pour savoir celles que vous voulez garder, s'il y en a des nouvelles que vous voudriez, on vous suggérera les nouvelles qu'on voudrait faire, histoire que vous puissiez un petit peu choisir aussi, quoi. On avait tellement envie de faire... On a plein de trucs, on a plein d'idées. Mais tellement de choses à faire. Oh, on a tellement de choses à vous dire. Salut F5. Tellement de choses à vous dire. Salut F5, comment ça va? En vrai, subgift au hasard, c'est oh, plus ça sympa. Dépend, Écoute, sinon, en tout cas, Aton n'a pas de sous, donc si jamais, Diplomate, tu veux offrir un abonnement spécifiquement à Aton, eh ben, il sera content. Comment Et nous aussi. Comment faisait Rebecca ce jingle des beats avec Fresh? On faisait juste beats. Pour les subgifts? Pour les beats, ah, j'ai pour dit. Pour les beats? Bah, beats. Ouais. Ah ouais, comme ça? Bah ouais. On faisait juste... Beats. Ouais, je sais, mais c'était une... Je le prenais à l'octave ou ça fait longtemps qu'on l'a pas fait celui-là de jingle? Ah ouais. J'ai l'impression qu'on le fait tout le temps. Non, on fait merci pour les beats. Il me semblait que je faisais cette voix-là, mais sinon ça. Ah, on va qu'on le retrouve. Alors, comment on fait? Affiché par, bah, tu l'as écrit. Ça se fait, merci pour ton abonnement. Alors qu'on se rapproche. 100% et level 1. Waouh! Torché. Un petit Merci Sasuke pour ton abonnement. C'est ton premier de niveau 1 et wow, merci. Le premier mois. C'est ton premier mois. Alors, du coup, comment on fait un gift sub? Eh ben, c'est très simple. Normalement, puisque tu es déjà abonné, le petit bouton violet par ici, il y a offrir un abonnement. Ouais. Tu peux offrir un abonnement et après, ben, il suffit que tu copies-colles en fait le nom de la personne que tu veux. Voilà, t'es aussi simple. Et sinon, c'est si tu fais offrir un abonnement, normalement, c'est automatique, en tout cas pour offrir à la commu. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est, voilà, c'est automatique en tout cas. Si tu, sinon, tu cliques sur le pseudonyme de quelqu'un et tu fais offrir un abonnement. Voilà. Il y a un petit panneau qui s'ouvre et tu peux offrir un abonnement à cette personne-là, si vraiment tu veux cibler quelqu'un. Voilà. Embrasse-moi de support, viens mon ange retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je dépunaiser tes ailes? Embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire tout pour te voir partir. Mais viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Papa, pala, pa. C'est la fête. Oui, c'est la fête. Et c'est chaud. C'était oui. un petit extrait pour Gentleman. On n'a pas de trio dans le répertoire, mais j'ai ça en tête de trio. Donc, ouais, en fait, coucou à toi, Gentleman. Oh, merci, wow, Diplomate. Santa Claus. Qui a fait With Me. Voilà, ouais, qui l'a fait au pif à With Me. Au pif à With Me. C'est ça. Et ben voilà. Merci, Diplomate, pour ton gift. Et tous les gift subs permettent de remonter les requêtes. Ah, c'est vrai. Diplomate, voilà. Du coup, t'auras ta requête en tête de liste si c'est pas déjà le cas. Ah, bah, t'as pas encore fait de requête. Il a pas encore fait de requête. Ouais, on a décidé que ceux qui se prennent pour le Père Noël et qui offrent des abonnements sur cette chaîne, on remontera leurs requêtes un peu plus haut.
Les abonnés, ils ont déjà plein d'avantages. Du coup, on se dit que voilà, les abonnés ont plein de trucs, les émotes, les caméras, les commandes sonores. Mais ceux qui font des gift subs, c'est encore au-dessus. Du coup, il y a l'émote de cadeau. Coucou, j'ai vu passer Tiffany Bou, je crois. Je vois plus affiché dans le chat, mais je crois avoir vu passer dans ma rétine. Ah ouais, s'imprime le pseudonyme Tiffany Bou. Merci, Talion Wen. Ouais. Non, mais ils entretiennent le train de la hype. Voilà, Talion. Vas-y, merci. Faut dire merci Talion pour le gars. Merci Talion Wen pour le gift sub. Attends. Et du coup, attends, ben voilà, ça y est. Waouh. Tu as aussi droit à toutes les émotes. Regarde, elle est là, Tiffany. Salut. Tellement de merci incalculable. Oh, un jour. Merci incalculable. Et super. C'est fou ça. On dit comme ça un merci incalculable. Un merci. Plein de merci. Gratitude un, deux, éternelle. 1312. Merci. 1000 fois voilà. Merci, c'est ça. Du coup là c'est incalculable. Non, ça tient en fait. J'en ouvrirai un jour, c'est beau. Ah, vous êtes beau. Diplomate, il est content, il a les émotions. Il a. Je vais faire ça. Sachez que vous avez point exclamation Bécri si jamais vous voulez faire crier Rebecca avec les émotes. Ou alors point exclamation Scream comme le film à l'époque en 2000 qui était pas ouf mais qui était drôle peut-être pour certains. Voilà, point exclamation Scream ou point exclamation Bécri, B-E-C-R-I ou B-E-C-K-R-I ou B-E-C-K-R-Y, Bécri. Si jamais vous voulez tenter, vous verrez, il y a une commande. Voilà, exactement. Oh, yay! Bien joué, Sasuke. C'est trop bien. Il est où le lien des dons? Proclamation don, ça change toujours, pas ça. Toujours au même endroit en fait, F5. Ouais, ça bouge pas. Et sinon, il y a un petit encart sous le stream avec marqué donate. Vous cliquez sur l'encart et paf, ça vous amène au bon endroit. Sur notre Insta, qui c'est qui a répondu? Attends, la publi d'un concert que vous avez fait et je lui ai dit j'espère qu'un jour vous viendrez à Bourges. Je sais plus. Certainement. Peut-être bah, moi. La péniche? Bah, je sais plus. L'un ou l'autre, je sais plus qui c'est qui a répondu. Merci Xav pour le follow. Why not? C'est peut-être moi en fait. Ah, il est plus là le donate. Ah, je l'ai peut-être supprimé sans faire gaffe alors F5. J'ai peut-être fait du ménage, j'ai supprimé le donate. Oh. C'est pas improbable, F5. Point d'exclamation don, écoute, voilà. Ça marche toujours. J'ai passé tellement bonne soirée samedi. Oh, trop bien, bah diplomate, ça fait plaisir. Écoute, mais faut commencer par ça. Viens en tout cas, fais une requête. Viens. Il y a de la place là, viens. Il y a mon pseudo écrit dans l'Ohio grâce à vous. Ah oui, avec le gros œil. Ah, trop classe, ouais, c'était cool ça. C'était cool chez l'américain. Chez Kaklik. C'est cool. Il avait 7 viewers, il était pépère, on est arrivé à 70, alors on lui a refait sa soirée. J'espère qu'il s'est pas trop abîmé la voix, mais c'était trop cool. Je sais pas, 30 ou 40 minutes de plus. Nous, on est parti bouffer au bout d'un moment, évidemment, parce qu'on était affamés, vous doutez bien. Mais c'est trop cool. Donc content que vous passiez des bonnes soirées, que ce soit chez nous et chez les copains, c'est bien. Enfin, on le connaît pas spécialement, Kaklik, mais je l'avais follow il y a quelques temps et j'avais, voilà, je trouvais qu'il était sympa. Donc c'est la première fois qu'on pouvait le raid, donc j'étais content pour lui. Et merci d'avoir joué le jeu évidemment pour le raid, c'était trop bien. Mais ouais, il est adorable. Mais non. Il avait l'air cool. Merci pour le train de hype. Ouais. Voilà, vous allez pouvoir récupérer vos emotes. Merci. Oh, regarde les petits toutous, regarde, on a un toutou blanc. Et ben c'est bon ça. C'est le but. Quel soutien incroyable niveau 1 atteint. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont qui nous permettent d'avancer. Il a demandé de devenir mon père, il a rigolé. Ah oui, c'est vrai, c'était toi. Chouchou, Anako-san. Comment ça va, Anako-san? J'ai l'impression que ça fait. Oui, il nous a demandé comment ça allait, nous. Et ben nous, ça va, on espère que toi aussi. C'est vrai que. Alors, je crois qu'il faut genrer cette personne de l'autre côté. C'est-à-dire C'est une Anako-san. Ah oui, non, voilà. Mais en fait, j'ai fait un autre. Pas de problème. Dans mon. Non, mais au cas où, tant qu'on sait, enfin tant que je me rappelle. Merci, la blague à 250, oui. Renouvellement d'abonnement, blague de fin de série. C'est ça, l'abonnement de la blague. Et c'est l'abonnement de la blague. Alors merci, n'oubliez pas, F5, t'as dit il, ouais voilà, exactement, la Kossan, oh là là. Ah, alors qu'on sait très bien la photographie. Oui, mais. Maintenant je confonds avec Yue. Je crois que je vais dire c'est la Normandie, rappelle-moi. Non. Oh, à chaque fois je confonds avec la Picardie et la Normandie à cause de Yue parce qu'on en a parlé pile poil au moment où j'ai enregistré l'info. Mais ouais. Ouais. Ça m'a marqué. Mais moi, je pense que je vais dire Yel là en fait. Maintenant. Yel, ouais, t'as raison. Je vais pas me faire chier. Sinon, Yel, tu dis juste le pseudo. Normandie. C'est bon, c'est ça. Comment on pourrait dire Anak? Il y a rien dans le pseudo qui peut me permettre de me rappeler Normandie. Mais Amiens, c'est la Picardie. T'es sûr de ton coup là? Mais comment ça, Amiens? 3 mois. Chakaponka! Oh, Chakaponka! Waouh, pourquoi je n'étais plus seul, moi? Révolte! Ouh, je me sens un peu de chaîne. Avec le rub type Stevens comme ça. Tiens, là, comme ça. Merci, Chakaponka! Ce serait drôle, ça faudrait les mettre sur Better Twitch TV, les nôtres comme ça. C'est marrant. Du coup, c'est quand que vous venez à Bourges? Bah. C'est loin, Bourges quand même. Enfin, il y a 5h30 de route, je crois. Le jour où on a un concert payé, Niobe, voilà. Sinon, alors, soit ça peut être dans l'année, mais sinon, l'année prochaine, on fait une tournée, et si jamais il y a de quoi jouer là-bas. Voilà, les étés, des fois, on voyage pas mal. Un petit remerciement à Chakaponka. Merci, Chakaponka, pour ton riz. Ça fait 3 mois.
Nous, on est dans le nord-est à Metz. Nord-est, Metz, en Lorraine, en dessous du Luxembourg. Ouais. Voilà. Mais on se déplace un peu partout en France, mais après, voilà, faut que le défraiement, on s'en sorte. Qu'est-ce que quoi ? Ouais, Amiens, c'est la Picardie, j'ai fait 45 km, tout à fait. Et Anna Cossane qui était les deux dernières semaines entre vacances et formation. C'était très enrichissant. Ah, trop bien. Vacances et formation, moi je trouve ça cool. Enfin, en espérant que ce soit une formation que tu as choisie et pas que tu subis. Ouais. Mais vacances et formation, moi pour moi, apprendre des trucs, je trouve ça. C'est pas que c'est des vacances, mais ça rafraîchit aussi un peu le cerveau d'apprendre des trucs. Je trouve ça bien. Merci, diplomate. Ah, voilà. Ton si, jingle. C'est fait. Ne dites pas chanson, dites jingle. Ne faites sinon, pas comme Squeezie. Ne faites dites pas bien votre jingle, Squeezie. Dites pas chanson. Sinon, chanson, c'est une chanson. Évidemment, ce n'est pas un jingle. Hein, un point d'exclamation Squeezie, évidemment. Un jingle, est-ce que c'est une chanson? Non. Hein. Bah non, un jingle, c'est un jingle. C'est un jingle. Hein. Bah ouais. Dites jingle. Ouais. Jingle bells. Non. C'est parti, Rebecca. Eh ben ouais, pour Tonight You Belong To Me, pour Talion Wen, encore merci pour le gift. Wow, tu parles tellement vite, on dirait moi. N'oubliez pas, si vous êtes abonné, vous avez le contrôle des caméras pendant les chansons en faisant tout attaché la commande, point d'exclamation cam 1, cam 2 ou cam 3. Tout attaché, attention si vous êtes sur téléphone. Merci pour ton follow, Fox. C'est parti. Oh putain. C'est presque parti. Attention, vous êtes prêts? Ce morceau est sur le CD. Ce morceau est sur le CD. Et il s'appelle Tonight You Belong To Me. Et il est au ukulélé. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4. I know you belong to somebody new. But tonight you belong to me. Although we're apart, you're a part of my heart. And tonight you belong to me. Way down by the stream, how sweet it will seem once more just to dream in the moonlight. My honey, I know with the dawn that you will be gone. But tonight you belong to me. Solo! Comme ça, on regarde le chat, Rebecca. Oui. Et on oublie de chanter la fin de la chanson. Oh là là. Alors, sachez-le. Ah, c'est cool, Talion Wen. Oui. Ce morceau est sur le CD que vous pouvez recevoir par la poste. Vous pouvez le commander sur le lien qui vient de s'afficher en chat avec marqué Nouvel album Decade disponible ici. Vous cliquez, vous pouvez l'écouter à volonté et vous pouvez le télécharger en numérique ou le recevoir avec une dédicace par la poste. Voilà, il ressemble à ça. Yo, Maël. Voilà. Coucou, Maël. Bonne fête de la musique. Bonne fête à vous. Ouais. Merci, Poil Kawet. Alors, oui, alors on a Creep, justement, on a Creep, diplomate. Si tu fais point d'exclamation, SR, un espace, et Creep, normalement la chanson va s'afficher dans notre song queue. Alors... Donc, vas-y, fais-le, tape-le, c'est ta première fois chez nous, vas-y, tu peux le faire. Voilà. Je voulais remonter donc la requête d'Astaro. Je me dis, mais j'adore écouter des gens chanter comme ça. Et quand c'est des chansons comme ça, eh ben, j'ai envie de pleurer, mais en vrai, je suis fragile. Je sais. Mais, oh, non. Mais non, tu es sensible et c'est beau et c'est très bien. C'est pas de, voilà. Ne laisse personne te dire le contraire. Les autres, tu les emmerdes, tu leur mets des coups de boule.
Non. En ce moment, avec l'album, c'est pas Harmonie à la maison, mais Harmonie dans ma voiture. Mais yes, c'est très très bien aussi. C'est cool. Tu sais, nous aussi, on fait ça. Ouais. Ça nous est arrivé de faire des trajets en voiture où on avait notre propre album dans la voiture et on faisait des harmonies sur nos propres harmonies. Sauf que c'est très compliqué de trouver la place de faire des harmonies supplémentaires quand il y a déjà deux voix. Déjà, une troisième voix, c'est compliqué. Quatre voix, c'est compliqué. Donc, des fois, on fait des harmonies. Moche. Et des fois, on fait des trucs dégueulasses. Oui, parce qu'on essaie de chanter par-dessus les morceaux et en fait, il n'y a plus de place. Et du coup, à la volée, pour, sans l'écrire, c'est un peu compliqué, en tout cas à notre niveau. Hein. Mm-hmm. On n'est pas arrangeur de chorale. Et du coup, ouais, c'est très drôle. En voiture, des fois, on harmonise et c'est wouh. Des fois, il y a des trucs super bien. Et des fois, c'est nul. Donc, ouais, j'ai voulu remonter la requête de Astaro. Oui, oui, parce qu'il voulait dédicacer Fallen Years pour sa compagne. Eh bien d'ailleurs ce morceau-là on l'a joué pour des mariages. Si vous vous mariez, n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on vienne jouer pour de vrai chez vous. T'inquiète pas Max Power, c'est fini ça. Creep c'était avant. Mais là c'est bon, maintenant les gens ils ont arrêté de nous la demander, surdemander donc. Oui. Bravo diplomate, il l'a fait, il a ajouté une chanson dans la songlist. Bravo. Et ça c'est bien. Bravo, bravo à toi. Eh bien écoute, on va jouer la chanson de Astaro et après on fera ta chanson. Anako-san, tout à fait. En fait, dès que tu achètes le CD en version physique, tu as automatiquement la version digitale en très haute qualité, enfin avec le format que tu souhaites télécharger, puisqu'il y a le format MP3, mais il y a aussi le format Wave de ultra top qualité, de ouf, master, tout ça, qu'on vous enjoint à télécharger évidemment si votre lecteur vous le permet. Mais évidemment, il y a toutes les qualités qui peuvent vous plaire. Et donc oui, l'achat en physique vous offre automatiquement une version numérique. Voilà, suffit de le télécharger sur Bandcamp une fois que vous avez fait acquisition du CD. Hop, voilà, je repasse sur le preset de la guitare acoustique. Oh oui. Voilà, mais tu as bien fait de poser la question, Anako-san. Il y a du flac, ouais, Max Power. Normalement, il y a du flac. Si je me trompe pas, il y a du flac. Ça fait longtemps que je t'avoue que je télécharge pas tous les 4 matins mon album, mais si je me trompe pas, il y a du flac. Regarde voir le lien Niobe. Je t'ai mis un lien là en chat. Ah, bien joué. Il coûte combien le CD? On peut l'acheter où? Là en dessous, voilà, exactement. Pardon, j'avais pas vu Rebecca le message. Et c'est à partir de 10€. Il y en a qui des fois mettent plus parce qu'ils ont envie de nous soutenir plus, mais on l'a mis à un prix plancher pas trop cher alors qu'il est vachement bien quand même. Non, mais il y a des gens qui nous ont dit, mais vous le vendez que 10€, mais vous êtes con ou quoi? On a dit, oui, mais il faut que ce soit accessible pour tout le monde. Bah, donc, et puis la conjoncture actuelle, hein, les CD, tout ça, il y en a. C'est compliqué. Donc on l'a mis vraiment à un prix pas cher. Et si jamais vraiment vous souhaitez nous soutenir davantage, vous pouvez le faire via cette plateforme qui prend très 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 peu de frais de commission comparé à d'autres plateformes ou à des labels ou à des plateformes de distribution habituelles. Bandcamp, c'est un des meilleurs pour ça. Il est sympa avec les artistes pour ça. Et ouais, c'est déjà pas mal, diplomate. Merci. Oui, non, mais oulala, c'est de l'information, évidemment. Ok, pour Astaro? Ouais. Ok. Pour sa femme. Pour sa femme. Pour Madame Astaro. Ouais, tout à fait, Sasuke. Il y a plein de trucs en préparation. Suddenly cold.
to me. I have loved you for a thousand years. A thousand more. Woodchuck, coucou. Merci pour les applaudissements. Oui, oui. Yeah. C'est bon. Merci beaucoup. Sinon, faites comme moi, faites un don en live. C'est encore plus sympa d'écouter les artistes en leur présence. Ah ouais. Enfin, c'est sympa pour moi. Pour eux, ils doivent supporter mon humour. Bon, après tout, mon épouse y arrive bien depuis bien longtemps. Oh là 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 là. Comme quoi, hein. Dommage que j'ai pas de carte bleue ni d'argent. J'économise pour un PC, sinon j'aurais acheté à 20 euros. Eh bien, y a pas de souci. Merci pour l'intention, Niobé, en tout cas. Ça veut dire que ça te plaît, et donc on est content. Ouais, Staro, merci énormément. Beaucoup, tout plein, très fort. Tout ça à la fois. Si jamais Madame Astaro n'était pas devant le PC, sinon coucou, sachez que nous n'avons plus le droit de laisser les rediffusions musicales sur Twitch de par des raisons de droits d'auteur. On peut streamer en direct des reprises, mais on ne peut pas les laisser en rediffusion. Donc si jamais vous souhaitez les retrouver, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube que je viens de mettre dans le chat. Voilà, où vous voyez le VOD-Becky and Cloud. Vous cliquez là-dessus, ça vous ramène vers une chaîne YouTube. Vous abonnez et il y a les rediffusions des lives musicaux. Donc voilà, si jamais Madame Astaro n'a pas vu cette chanson, tu pourras la retrouver là-dessus, sur la chaîne YouTube Astaro. D'ailleurs, le live de samedi est en ligne déjà ou pas? Le live de samedi vient d'être mis en ligne, mais il est en non répertorié pour le moment. Je peux le passer répertorié quand tu veux. Ah bah mais oui, voilà, faut le faire. Hein. Donc il fallait que je renomme le titre. Ah oui. Voilà, j'avais pas eu le temps avant le live. D'accord. Mais voilà, le live de samedi va être très bientôt disponible. Il y a toujours un délai de 24 heures, puisque de par le contrat que nous avons avec Twitch, en tout cas de par les contraintes que nous avons avec Twitch, nous ne pouvons pas uploader une VOD avant 24 heures sur une autre plateforme. Voilà. Bon, on verra. Mais en théorie, on n'a pas le droit. Voilà. Vous savez tout. Yeah. Alors évidemment, ça c'est la chaîne, on va dire secondaire, hein, qui s'appelle la planque de Becky and Cloud, où on met les VOD. Mais si jamais vous souhaitez regarder un peu la chaîne principale, la vitrine de Becky and Cloud pour les concerts qu'on fait en live, etc. Et si vous voulez voir les clips travaillés et non pas les VOD, il y a la chaîne officielle youtube.com/Becky and Cloud. Ça c'est la chaîne principale pour les vidéos promotionnelles et les clips, tout ça. Le reste, c'est de la VOD, du gaming et des live événements, etc. Des trucs rigolos. Donc, des clips, abonnez-vous aux deux. De toute façon, si vous abonnez à la chaîne YouTube, il y aura une alerte ici qui va s'afficher. Voilà, si jamais ça vous fait marrer. Sur la chaîne principale. Sur la chaîne principale, voilà. Pas sur la planque des Becky and Cloud. Mais t'as un millier de questions, mais vas-y, diplomate. Alors, la première. Allez, toutes vous abonner. Voilà, c'est ça. Madame, t'es juste à côté avec les deux filles. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Mademoiselle Astaro. Passionnée de musique, on joue tous d'un instrument. Oh, trop bien, vous jouez quoi? Sachez qu'il y a du ukulélé ici aussi, vous l'avez vu. F5 Super qui s'est aussi abonné à la chaîne YouTube de 1856. Trop bien. Pourquoi je peux pas activer la cloche? On a le lien 1856 hein, sur un bouton ou pas? Pas sur un bouton, non, mais en post-cabation 1856. Par contre, on peut voir, voilà, vous avez. Épisode 2, je crois que c'est ça. Ouais. Là, si vous allez sur cette chaîne-là, on a une autre chaîne avec le capitaine qui est en train de streamer. Capitaine sous le nom Alex. Et en fait, là, il y a une web-série. Il y a encore un épisode qui doit paraître. Et évidemment, on en fera la promotion lors d'un direct prochainement. Voilà, si ça vous intéresse, si vous aimez le contenu musical, varié. Voilà, ça se passe ici. Recharge ta page à tonne, des fois ça me le fait, je peux pas m'abonner à une chaîne et quand je recharge la page, finalement je peux m'abonner. Donc voilà, si jamais t'arrives pas à activer la cloche, recharge, moi ça me l'avait fait. Je m'étais désabonné, réabonné, j'avais activé la cloche, ça avait fonctionné. Je faisais de la guitare classique, musée Niobé, et électrique, j'ai arrêté, peut-être je vais reprendre. Mais ouais, reprends. Ah voilà l'alerte, Juanevers qui s'est abonné à la chaîne principale YouTube. Merci Juanevers. Ouais, essaye ça, tu me diras à tonne. Pour toi, madame qui fait du chant et de la guitare, violon. Oh ouais, carrément. La plus jeune de la batterie et la plus grande du piano guitare. Mais c'est trop bien, il faut faire un groupe. Family Band. Il y a la batterie, la basse, la guitare, le piano, des violons, il y a tout ce qu'il faut. Et quand est-ce que vous faites un live familial sur Twitch? Racontez-nous, hein. Tenez-nous au courant. Déjà posté des trucs. Oui, évidemment, sur Facebook, je sais. YouTube, mais bon. C'est déjà bien. Hein. Oui, c'est vrai. Merci Tiffany Bou qui aussi s'est abonné à la chaîne YouTube il y a quelques secondes, je vois ça. En tout cas, faire de la musique, d'une certaine façon, c'est être musicien. Après, en vivre, c'est une autre chose. Je fais de la musique, il paraît que je suis musicien. Oui, effectivement, comme tu dis, Rebecca. En tout cas, faire de la musique, voilà. Après, ça dépend de votre définition personnelle de être musicien. Qu'est-ce qu'être musicien? Est-ce que c'est gagner sa vie avec de la musique? Est-ce que c'est maîtriser un instrument? Est-ce que c'est avoir fait 5 ans d'un instrument? Est-ce que c'est avoir fait le conservatoire? Qu'est-ce que l'univers? Qu'est-ce que l'univers, exactement? Tout est relatif. Rappelle-moi, voilà. Merci Niobé. Bah, je viens juste de boire à l'instant, je crois. Voilà. Bah, je vais reboire pour la peine. Prépare une pièce dédiée à la. Oh, trop bien. Trop cool, Astaro. Ah bah, si t'as signé sur un label, par exemple, ouais, t'as été musicien, hein, carrément. Merci Tiffany Bou. Qui s'est abonné aussi sur notre chaîne YouTube. Ah, ça a marché, super Aton. Content que ça, la technique ait fonctionné. Vous faites du contenu spécial enfant. Oh mais ouais, prépare une pièce dédiée dans la maison, mais c'est trop bien.
Il faut faire ça. Pourquoi Et on veut voir, hein. Nous, on veut voir. Venez sur Discord et lâchez-nous vos liens dans la partie musique. Pourquoi tu disais qu'on fait du contenu spécial enfant, Aton? Pardon, j'ai dû. Soit j'ai raté une blague, soit il y a un truc sur YouTube que j'ai peut-être mal paramétré. N'hésite pas à nous dire. Coucou, Blueberry. Ah, parce que peut-être. Il y a certaines vidéos pour le contenu des enfants. Je sais pas en fait. Je sais pas du tout. N'hésite pas à nous donner, si c'était pas une blague, à nous donner plus d'infos. Aton, je suis pas sûr d'avoir compris cette intervention. Tu peux faire des trucs très intéressants au cas où Max Power, même à l'automaton. Ouais, mais par exemple, si tu dis dans un dîner, ouais, moi je suis musicien, je fais du kazoo. Est-ce que ça marche quand même, tu vois? Est-ce qu'il y a une légitimité? Je sais pas, t'es dans un groupe signé, tu fais des dates, je sais pas, tu ouais, vois. Ouais, je sais pas. Je gagne pas encore ma vie avec, même si j'en rêve, mais je me considère quand même comme musicien. Bon, et ben voilà, c'est bien. Et pendant très longtemps, on a été amateur aussi. Ouais. Hein, parce qu'après, il y a une différence entre être musicien professionnel, enfin de profession. Ouais, mais ça aussi. Tu peux être musicien amateur, musicien propre. Ouais, bon. On s'en fout, faites de la musique, éclatez-vous, c'est le principal. Voilà. En vrai, Balek. En tout cas, il y a Creep pour remercier Diplomate. D'accord. On va remercier. J'ai l'impression que c'est moi quand tu dis Diplomate. Ah oui, c'est vrai. Diplomate, c'est mon surnom dans le projet 1856 parce que je fais l'intermédiaire entre les membres d'équipage qui des fois ne se comprennent pas. Donc du coup, je fais le Diplomate. Voilà. Salut Galak. Tu peux pas activer la cloche, c'est du contenu pour enfants. Ah bon? Ah YouTube, ouais, il a dit ça. Ah bon? Mais et du coup, ça a marché finalement? Parce que t'as dit que ça avait marché, c'est ça, hein? 3 mois. Jonathan. Wow. 3 mois. Jonathan, ainsi que toute la famille également. Merci Jonathan pour ton prime game. Et Brissop de 3 mois, bonne fête à la famille musique. Ah, ça a fini. Ok, il faudra que j'investigue Aton au cas où pour vérifier s'il n'y a pas bizarre, cette de... histoire de contenu pour enfants. Je suis pas au courant. Et Bad Camille. Les Balkany. Bad Camille s'est abonné sur YouTube. Les Balkany. Les Balkany se sont abonnés sur YouTube. Merci Bad Camille en tout cas. Bad Camille. Faut pas être dur avec toi, Galak Leblanc. Salut, au fait. Je m'appelle Mathieu. Oui, bah, on se doute. Hein. Mathieu, diplomate, donc diplôme mat. Voilà. Ah, c'est bien, j'ai compris. Et il est diplômé, c'est ça? En tout cas, il est diplomate. Je sais pas s'il est diplômé, mais peut-être. Peut-être qu'il a un diplôme et qu'il est assis. Et du coup, il parle avec diplomatie. Diplomatie, comme dirait Perrus. Les Balkany. Oui, j'ai pas compris. Il y en a comme ça. Je me dis, qu'est-ce qu'elle raconte, Rebecca? Elle a craqué, ça y est, il fait trop chaud. Et les Balkany se sont. Bref. On est parti pour une version un peu spéciale de Creep. N'est-ce pas? Un peu spéciale. T'as quelqu'un. Oh, ouais, oh, ouais. Non, mais voilà, on va faire une version spéciale. En version reggae. When you were here before. Oh, yeah. Couldn't look you in the eye. Oh, yeah, en reggae. C'est faux. Tu t'appelles Léandre? Bah, c'est bien. Il y a la fille de notre flûtiste qui s'appelle Léandre aussi. Ah, elle a 16 ans et demi. Et dans un an. Dans un et demi. Dans un mois et demi. Un mois et demi. Si vous changez les caméras pendant les morceaux, hein, parce que je vois que Niobe est motivé, mais il y en a d'autres aussi également qui peuvent le faire, hein, ceux qui sont abonnés. N'oubliez pas de revenir sur la caméra numéro 1, qui est la caméra principale, évidemment. Ouais. De temps en temps, parce que sinon, vous laissez afficher le piano où il se passe rien, ou le ukulélé pendant 2 minutes. Ça fait long, après. Mmh. Après, faites ce que vous pouvez, hein, mais pensez juste à revenir sur la cam 1. Bisous. Ouais, Wizmi, t'as vu? T'es abonné? Let's go. When you were here before, couldn't look you in the eyes. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? If it hurts, I
wanna have control. I want a perfect body and a magic soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Yeah. Merci beaucoup, Yogé. Merci, Max. Merci beaucoup, oh, Google. Coucou. Bonne fête de la musique à toi aussi. Je ne sais pas si, si c'est devenu dans tous les pays le 21 juin. Par je exemple, que au Québec, au Canada, hein. Comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi le 21 juin pour vous, la fête de la musique? Chuck, merci. Merci, Woodchuck. Bravo. 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 Merci beaucoup. Merci. En tout cas, on est très content que vous êtes là. Non. Il faudrait que je le clipe ça quelque part, que je le puisse le mettre, le très content que vous êtes là. Merci à toi, diplomate. C'est le 21 dans très beaucoup d'endroits. Ouais, c'est ce qui me semble, Gooseberry, mais pour le Québec, je sais pas. Je suis pas au courant. Voilà. J'ai peut-être un peu trop spam les cams. Non, c'est cool, non, ça va. Je sais pas, j'ai pas regardé moi. Ouais, bah c'est bien, ça change, voilà. Bon, après, si jamais tu vois quelqu'un d'autre qui veut essayer de l'échanger, tu peux lui laisser, tu vois, gentleman. Fait, ouais, vas-y, toi aussi, fais des caméras, mon frère. Mais si, cool. Mais tant qu'il y a personne qui le fait d'autre et que c'est pertinent, écoute. Voilà, hein. Après s'il y a un silence de mort dans le chat et qu'on voit que des cam, c'est sûr, c'est triste. Mais bon, ça fait vivre les angles de caméra, donc c'est bien. Oui, Rebecca. Astaro, il a pris un CD, merci à toi. Oh ouais. Alors, si vous laissez une petite présentation, enfin en tout cas si on en sait un peu plus sur vous, on peut faire vraiment des dédicaces bien personnalisées, donc n'hésitez pas à venir sur le Discord et voilà. Et vous présenter dans le salon, présentez-vous. Lâchez des infos, quoi, parce que ouais. Vous avez des dédicaces personnalisées, c'est quand même un peu mieux. Moi, je prends toujours un peu de temps pour faire ouais. Des petits dessins. Moi, je suis une quiche en dessin, donc je ne dessine rien, mais Rebecca vous fait toujours des jolis dessins. Ceux qui ont reçu les CD, vous savez. Donc voilà, donc plus j'ai d'infos sur vous, plus je peux mettre des truc rigolo voilà. En rapport avec vous quoi. Bon, ça nous demande du temps mais c'est rigolo. Oui, des fois on voilà. Prend un peu de temps dans oui. Les CD ne nous en voulez pas mais c'est très long à faire donc ouais. Voilà, on prend le temps. Ah bah tu vois Gooseberry, il y a pas de fête de la musique le 21 juin au Canada. Oui, il y en a en tout cas Gaël n'est pas au courant. Un petit voilà. Dessin, c'est un petit dessin avec les postcards. Avec plaisir Woodchuck, nous on est deg, il y a pas de fête de la musique à Metz donc voilà. Et puis souvent, je sais pas vous mais chez nous, enfin moi en tout cas Montpellier, la fête de la musique, c'était un peu la fête à la saucisse dans le sens où non pas qu'il y avait des saucisses mais tu avais genre un groupe là et puis 6 mètres plus loin, t'avais un autre groupe genre de ska, et après t'avais un DJ d'électro,
et c'est le bordel dans la rue. Et moi, en tout cas, en tant que musicien, j'ai beaucoup de mal à supporter ça. Après, il y a des scènes officielles de la ville, des fois, où c'est plus propre. Mais sinon, c'est le bordel. Et du coup, bon, moi, j'ai pas des super souvenirs de fête de la musique en tant que spectateur. Donc, je sais pas comment vous le vivez. Mais je suis pas trop mécontent qu'on le fasse aussi à la maison. L'air de rien, parce que bah, au moins vous pouvez écouter proprement de la musique, comme en studio d'ailleurs, hein, puisque comme vous le savez, on essaye de vous donner un rendu le plus proche de ce qu'on pourrait faire en studio avec des super micros de studio. C'est cool, Niobe, t'as pu toi avoir la fête de la musique vendredi. C'est vrai que selon les villes, ils se partagent le week-end, tu un vois. Un peu comme les feux d'artifice. Ouais. Ouais. Ou les feux Saint-Patrick, voilà. Salut Ced, comment ça va, Ced? Ah, coucou Ced. À Nantes, ce sont les bars qui accueillent les groupes, exactement. Nous, par exemple, à Metz ou à Thionville, qui est une ville à côté, eh ben, ils ont des grosses scènes. Ouais. Je sais qu'à Thionville, c'est super bien organisé, en fait. T'as une scène chanson française, une scène rock, une scène DJ, une scène machin. Et une, en scène fait, insane. Une scène insane. Oh, une scène insane. Et en fait, tu peux te balader dans le centre-ville et avoir l'ambiance que tu veux. Et en plus de ça, mais ça c'était avant, t'avais des groupes sauvages qui pouvaient s'installer aussi, c'était aussi organisé par la mairie, en off, et donc tu pouvais t'installer, avoir une prise de courant et faire du bruit, à côté d'autres groupes qui font du bruit. Et voilà. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que t'as des scènes principales en fait à Thionville, ça c'est super cool. Faudrait qu'on rejoue à Thionville, j'aimerais bien. Ouais, non, c'était sympa, effectivement. Des fois, la distance est étroite entre la fête de la musique et la fête de la bière, donc on est bien à la maison aussi, c'est vrai. Ça va, Flat Minimis? Toujours Fiat, hein, Rebecca, d'ailleurs. Fiat. Oh, toujours pas Flat Minimis, ouais, non, mais c'est notre running gag, écoute. J'ai failli aller à Metz pour mes études. Oh! Et tu allais où à la place, Aton? Moi, je suis chez mes parents aujourd'hui, mais pas de fête cette année. D'habitude, il y a une grosse scène à la plage. Ouais. Sinon, c'est plusieurs petits artistes au centre-ville. D'accord, ok. C'est bien. Reims, pour Aton. C'est Reims. Reims, c'est bien aussi. On a des gens de Reims aussi. Je ne peux pas choisir à qui offrir un sub, hein? Comment ça? Ah, normalement, si. Si tu cliques sur le pseudonyme, par exemple, d'Anakosan, ou quelqu'un d'autre, peu importe, hein. Mais normalement, si tu cliques sur son pseudo, il doit y avoir une petite fenêtre qui s'ouvre, et dans cette fenêtre, il y a un bouton quelque part pour dire « offrir un abonnement ». Si je me rappelle bien, ouais, confirmez-moi mais les même autres. Même quand tu fais... Non, je... Ah si. Si, tu peux... Il y a un champ où tu peux renseigner le... Je ne l'ai pas trouvé la dernière fois. J'ai voulu faire des gift subs. Ça a peut-être changé, en fait. Peut-être ça a changé, je sais pas. En plus, il y a de la famille Palon. Ah, t'as trouvé Diplomate, bah voilà, cool. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, pardon, vous devriez avoir beaucoup plus de volume que précédemment, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait un des potards caché dans Windows qui était légèrement baissé, et donc là, normalement, on vous envoie carrément plus de volume qu'avant. Ça, c'est bien ça. Donc j'espère que vous avez pu baisser ou profiter en fonction, parce que là, on doit bien vous envoyer des watts, et ça, c'est cool. Et du coup, la musique doit être moins forte derrière. Gooseberry, donc, désolé. Au lycée, sortir de fait de la musique, c'est surtout se bourrer la gueule, voilà, la belle époque. Exactement. Ben, voilà. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse ça Je m'appelle Julien. Ça. Mais non, mais ouais, je vais pas dire. Pour Whaneverse, s'il est encore là. Ouais, ça marche. Un petit sound of silence pour Whaneverse. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, imaginons que vous soyez en lurk et que vous n'osiez pas parler parce que vous avez l'impression qu'on se connaît tous entre nous dans le chat et que vous feriez tâche, dites bonjour si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à faire une requête de chanson puisque c'est la fête de la musique aujourd'hui, c'est un peu la fête du slip. Du coup, si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous faites une requête de chanson pour la première fois, eh ben, on vous la propulsera en tête de liste et on vous la jouera sans attendre, histoire de vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Ouais, on a décidé de ça, comme ça, pour le fun. Donc si vous êtes nouveau, dites bonjour, et si vous savez pas comment faire une requête, vous faites point d'exclamation comment. Ouais, PKZ, du coucou. Merci pour le prank gaming. Attention le volume. Merci LPKZ pour le prime gaming. Et ça fait 3 mois. 3 mois. Nous, ça va bien, on fait la fête de la musique. Oui. Ah yes, t'as Lyon, bien vu. Ouais, moi aussi, voilà. Moi je peux, en tout cas, cadeau à un spectateur spécifique, ah ouais, je peux aussi. Ah ouais. Mais merci mille fois encore, LPKZ, pour ton retour abonnementique. Du coup, à Rouen, là où j'habite, je sais pas s'ils font un truc cette année, nous dit Anakosan. Mais j'y sais pas non plus. Bonne question. Ouais, ça dépend. J'ai de la famille à Montigny-les-Metz, nous dit Galak Leblanc, c'est trop ouf. C'est trop bien. Sérieux? Moi j'aime bien Montigny-les-Metz, c'est beau. Oui, c'est à côté. C'est de à côté. Chez nous, hein. C'est à côté. Eh ben écoute, un de ces quatre, si jamais tu rends visite à ta famille, check au cas où si on n'est pas en train de faire un concert pas loin. Et puis bah voilà, on essaiera. Ou alors si jamais tu veux surprendre ta famille et leur offrir un concert à domicile, ouais, ça, il y a un super groupe local, un duo, c'est sympa, c'est pas trop mal ce qu'ils font. Voilà. Et du coup, n'hésite pas à nous envoyer un mail. Voilà, vous savez tout. Je ferai un sub à qui le veut, dit Diplomate. Manifestez-vous. Qui c'est qui veut un sub de la part de Diplomate? C'est type
The Tipok, coucou, bonjour, j'ai littéralement installé Twitch hier et vous êtes les premiers à qui j'ai écouté, regardé au hasard. Oh, c'est trop cool. Bonsoir, et bah écoute, The Tipok. Moi je propose un jingle pour The Tipok quand même, ouais. Le même que d'habitude. On dit quoi? On dit bonjour à toi Tipok. Bonjour à toi The Tipok. Mais quelle époque. Et alors The Tipok, je t'envoie une petite commande en chat pour savoir comment faire une requête de chanson et tu auras une requête en priorité. Figure-toi. Donc, si jamais tu veux une petite chanson spéciale, regarde donc dans notre liste et choisis donc une chanson qui te fait plaisir, ouais, en suivant la marche à suivre. Waouh, wow, hey, yes, Diplomate, ben voilà, qui a offert un sub à The Tipok. Alors ouais, peut-être que The Tipok ne connaît pas exactement le fonctionnement de c'est Twitch. Vrai, du coup, faudra lui expliquer ce que c'est un abonnement, tout ça, à quoi il a droit. Hein, et, accueillez-le comme il se doit. En tout cas, de Diplomate, tu as droit à une autre chanson, hein, tu le sais, ça. Hein. Allez, Rebecca, on fait le jingle, mais en do majeur. T'es prête? On l'a jamais fait en do majeur. Merci, Diplomate, pour ton gift sub à The Tipok. C'est pas mal aussi, j'aime bien. Métalement. Perso, j'ai fait mon service militaire dans un dépôt de mission à Ressincourt. Bah, en tout cas, vu le nom, on dirait que ça fait très ça, Meuse. Ouais, hein, ça sonne Meuse, pas loin de Metz. C'est près de Metz. Et bah, ouais, cool, Ressincourt. On est parti pour Sound of Silence. Ouais. Ensuite en dos crawlé. Ah oh, Fox, justement, qui nous a follow. Salut-vous, trop bien le live. Bonne fête de la musique à tous. Et le ben, bat. Merci à toi aussi. Le bat. Tu connais, le bat. Tu as quelqu'un qui s'appelle le bat dans tes connaissances, oui, Rebecca? J'ai jamais un pote, mais ça fait longtemps. Parce que pour quelqu'un qui dit le bat, le c'est bat. Forcément quelqu'un du Nord-Est. Parce qu'on dit ouais, toujours ouais. le avant les prénoms par ici. Hein. Faites honneur à ce gift. N'hésite pas à me rafraîchir la mémoire, mais salut, je voilà, c'est pas que je fasse un contresens. Salut Faël. J'espère qu'on n'a pas raté de message. Si c'est le cas et que vous pensiez que c'était intéressant, n'hésitez pas à le remettre dans le chat parce que des fois ça rescroll et qu'on n'a pas une grande visibilité sur le chat. Donc ce sera pas considéré comme du spam, vous inquiétez pas. Fais honneur. Par contre, si guide. Vous l'écrivez 5 fois et qu'on vous lit toujours pas, c'est peut-être qu'on on fait exprès. Mais normalement, non. Il est fort, oui. Tu as désormais droit à la. Tu as désormais droit à la réverbe. Gizé Gooseberry. On est parti pour ouais, quoi déjà? Ah ouais, silence. C'est pas du tout la même ambiance. Ah, j'aurais pu la faire la guitare électrique. Tu veux? Bah écoute, c'est, si tu veux, ouais. Je la flemme. Mais bah comme ça. Allez, je la fais en acoustique. Ok, Runaway. Ah, quoi cool. Que. Oh, ça vient. Ah ouais, Runaway, trop bien, Diplomate. J'ai un doute. Oh, cette tâche. Allez, je vous sors la guitare électrique, vous m'êtes sympathique. Salut. Salut, Seth. On a dit qu'on l'appelait Seth. Oui, mais je sais. Moi, j'aime bien lire toutes les lettres à l'allemande, tu vois. Septache. Zombie ni jobiste. Oh, ça fait longtemps. Ah ouais, Lyon. Je profite de ma petite pause pour vous souhaiter une excellente fête de la musique. Merci. Et merci pour le follow Jack 87. Alors si vous arrivez sur cette chaîne et que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez vu, on est à peu près accessible. Le à peu près. Le croustille est là. Je bosse le soir. Oh, le croustille. Et donc, le croustille bat. Tu vois, ah, le croustille bat. Putain, trop bien. Qui veut te battre? Et donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, enchanté, nous sommes Becky and Clad, un duo du nord-est de la France, n'est-ce pas? On fait de la musique, c'est notre métier, on donne des cours également de musique, voilà, de nos instruments et de la voix. Et donc on en vit de la musique, on s'est mis sur Twitch depuis le premier confinement de manière très assidue, on va dire, sinon on y était un an avant le confinement pour une sortie d'album qu'on avait fait sur Twitch. Et on stream le lundi et le samedi en duo pour de la musique, on stream le mardi ou le vendredi en solo avec un autre répertoire qu'en duo, donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres chansons, plein d'autres chansons disponibles que ce que vous voyez là ce soir. Et on stream également le jeudi soir du jeu vidéo parce qu'on joue aussi. Un new Nord-Est. C'est ça, Seth. Alors c'est pas volontaire, Niobé. Oh, hein, c'est, non. Pas du tout, c'est pas trop le genre de la maison. Ah ouais? Oh, je savais ouais, même beaucoup, pas. Beaucoup, beaucoup, oh, ouais, effectivement. Il y en a beaucoup à qui ça fait ça, mais non, c'est pas volontaire, vous inquiétez pas. Faut que je l'enlève alors dans ce cas-là, ce type de langage. Ou alors je vais faire exprès de le faire plus souvent. Et il a une façon de le dire? Bah disons que c'est une ref, ouais. D'accord. Ou il dit n'est-ce pas? Un truc ah, comme ça. Ah ouais, voilà. Mais voilà. Il a pas fait avec cette voix-là, rassure-moi. Peut-être. Écoute, pourtant je n'ai pas beaucoup écouté Jean-Marie Le Pen. Eh ben, bonne soirée. On travaille bien, bon courage. Bon courage pour non, pas lui. Non, mais vous inquiétez pas, c'est pas le. Voilà. Si jamais il y a des sympathisants sur ce stream de Monsieur Le Pen, vous n'allez pas, hélas, être en bonne compagnie parmi nous. Bah, voilà. Enfin, si vous aimez la musique, mais après, si vous espérez des accointances politiques, non. Ça va être compliqué avec nous. Mais, hein, là, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, après, il faut on peut s'entendre sur la musique. Monde. Ou pas. Tolérer l'intolérance, on sait bien. Voilà, voilà. Hein. Bon, c'est compliqué. Bisous, évidemment. Bisous. Merci pour la Télécaster. Oui. Alors, je mets de la réverbe.
Et je mets le capot où il faut surtout, ce serait bien. 7. 8. 8. Merci Rebecca. Ah, quoique j'ai un doute. Non, c'est 8. C'est bon. De la réverbe. Hélas, Aton. Normalement, ça devrait pas être lié musique et politique. Oh là 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 là. Alors, on débattra de ça une autre fois. De la musique et de la politique, c'est-à-dire... Ah, il y a des conceptions vachement intéressantes. Alors, The T-Pox, si jamais t'as des questions, n'hésite pas à les poser, et on a des modérateurs, normalement, qui ou même des autres viewers, en fait, qui pourront te répondre. N'hésite pas à poser toutes les questions que tu veux par rapport à Twitch. On est parti ? Oui, c'est ça, Maouga. C'est pas vraiment leur credo, il faut de tout pour faire un monde. Du coup, c'est compliqué. Ok. Excusez-moi. Bon, bah, tant pis, c'est pas people bowed and prayed.
to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was farming. And the signs that the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls and whisper in the sound of silence. Max. Merci beaucoup Max Power, toujours dans les temps, toujours magnifique. Youpi youpi. Merci de tout. Merci Max pour le commentaire pour les nouveaux. Allez Quandodo. Merci Allez Quandodo pour le follow et Jack également, il y a 8 minutes pour le follow. Yes. Vous m'avez tué, désolé. Merci Mikounou, j'ai pas dit bonjour Mikounou, à Mikounou. Mais je crois qu'ils viennent de popper. Non, ils étaient là un peu avant. J'ai pas dit bon. Coucou Fox, toujours, hein. Coucou Fox, mais merci pour Et ben tu salueras ton frère, le Bat. Ah, c'est le fameux le Bat. Bonsoir Bouli. Et coucou. Non, je crois pas que tu connaisses le Bat, toi. Non, mais je dis bonsoir le Bat. Voilà. Et je pense pas que t'es déjà. Enfin, non. Je ne pense pas que vous soyez déjà vu. Salut Castelou. Et j'ai pas dit bonsoir à Castelou que j'ai vu arriver tout oui, à l'heure aussi. Moi aussi. Sachez-le. Alors bon, évidemment, ça fait promo, mais si jamais vous avez aimé ce morceau, vous voulez le réentendre, c'est la 10e piste, la 9e piste de l'album que vous pouvez vous procurer via le lien que je mets dans le chat à l'instant. Voilà. Mm. L'album s'appelle Decade parce que c'était pour fêter nos 10 ans de collaboration musicale ensemble avec Rebecca. Et donc voilà, Decade, ça veut dire 10, ça veut dire une décade, évidemment, 10 ans. Et voilà. Et c'est le tout premier morceau qu'on a commencé à travailler ensemble quand on a fait de la musique, tous les deux. Donc si jamais vous voulez vous procurer cet album avec une super dédicace, comme on disait précédemment, et ben voilà. Et ça nous soutient en plus, évidemment, puisque la majeure partie du flou, ce que vous mettez dedans, va pour nous, évidemment, pour continuer à faire un nouvel album. Et évidemment, il y a les frais de port avec, hein, vous doutez bien, et une petite part Bandcamp. Mais vraiment, c'est... voilà. Si vous voulez un objet en plus du soutien, sachez que c'est... ça s'appelle du commerce. Un échange. Vous obtenez un bien et nous, en échange, on est content. Voilà. Et c'est aussi en digital, Diplomate. Il y a la version digitale et la version physique. Sachez que si vous prenez uniquement la version digitale, histoire que ce soit vraiment accessible pour tout le monde et que de toute façon, les plateformes, voilà, on sait bien comment c'est, il y a prix libre pour la version digitale. Donc si jamais vous n'êtes vraiment pas dans une période faste financièrement, vous pouvez vous procurer l'album pour le prix que vous voulez, voire peut-être même pour 0 euros, sachez-le. Donc voilà, en version digitale évidemment, et après évidemment c'est à prix libre. Donc si vous êtes dans une période extrêmement faste, n'hésitez pas à soutenir à la hauteur de ce que vous appréciez de votre musique. Voilà, tout simplement. Bonsoir Laetitia, et Bouli Prod qui a fêté la fête de la musique hier, et ben regarde, Bouli Prod, regarde c'est nouveau. Tadam ! Yeah ! Bouli Prod qui est un streamer, n'hésitez pas à regarder ce qu'il fait sur sa chaîne. Ouais. Et on espère que t'as eu un très très bon moment hier. Et c'est cool que t'aies pu fêter la fête de la musique IRL avec des gens. Et ouais, de la bière. Ça c'est cool ça. Bonsoir Laetitia. Est-ce qu'on dit Lady Sia bah, comme genre Lady, Sia Lady. Moi je dis Lady Sia. Lady Sia. Ah non, j'étais bah, oui. Lady Sia. Alors permettez que je repasse sur le preset de guitare acoustique, mes petits amis, histoire que vous ayez le meilleur son. Bah oui, Lady, bah voilà. Ouais, mais c'était pour le Sia en fait. Tout à fait. Mais c'est pas Lady Kia quoi, c'est effectivement. Et ben c'est le lien pour les deux, figure-toi. C'est le même lien, ouais. C'est le même. Sur Bandcamp, vous pouvez choisir soit la version digitale, soit la version physique. Dans la version physique, il y a juste des frais de port. Et dans la version digitale, vous indiquez le prix que vous souhaitez mettre. Oh, voilà. Avec une harpiste en plus. La classe. La chance. Trop bien. En tout cas, je réponds à. Tipoc, on a bien vu que tu voulais mettre Aurora en tête de liste. Et, on va la jouer maintenant. On va la jouer maintenant avec. Bah, ce sera à la fois pour toi et pour Diplomate. Salut Charboula. Oh Charboula. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur ce stream et que vous n'avez jamais fait de requête de chanson auparavant et que vous en faites une aujourd'hui, pour la fête de la musique, exceptionnellement, on vous remonte votre requête tout en haut de la liste pour qu'on vous la joue en priorité. Et également, si jamais vous soutenez le stream avec un gift sub parce que vous souhaitez subber un ami parce que vous trouvez ce stream vachement chouette, vous avez le droit, hein, si jamais ça marche pour vous, et bien, pareil, vous aurez une requête en top priorité. Voilà, tout simplement. Je bois. Je t'en prie. Oui, justement, on va la faire. On va la faire maintenant. Runaway. Ouais, merci beaucoup. Merci Bouli Prod pour les beats. Merci beaucoup. Beats, pour le soutien. Beats. Est-ce qu'il fallait augmenter la tonalité, Rebecca? Capo 4, c'est écrit capo 4, en gros. 4, voilà. Hop, je vais couper cette musique d'ambiance de Seymour. Voilà. Excusez-moi.
Désolé, belle maman. Parce que des fois, il y a belle maman qui regarde le stream et du coup, elle dit « Oh, mais qu'est-ce que vous dites comme gros mot ?» Oui. Donc, des bisous, belle maman. Restez. Fiat Minuis, faut aller au paravent qui est derrière vous pour faire la requête. C'est ça, si vous n'avez jamais fait de requête, au paravent qui est derrière nous. Et si vous ne savez pas comment faire une requête, les nouveaux qui viennent de débarquer sur ce stream, bienvenue à vous. Vous faites !« Comment ?» Pour savoir comment faire une requête. Et maintenant, faut que je fasse un petit rototo, c'est terrible. Ouais, Alex, il a fini son stream. Coucou, les gens. Salut. De chez Alex. Comment qu'ils vont? Comment ça s'est fini? Il fait 37 degrés maintenant? Wesh. Alors, shout out du capitaine. Le capitaine qui est un fellow musician. Un ami musicien qui stream également et qui fait avec qui on fait de la musique dans d'autres projets musicaux. Voilà. N'hésitez pas à aller follow sa chaîne. Et maintenant, il a un programme, t'as vu? Il fait le samedi, le dimanche et de la musique. Pendant l'été? L'été, le soir. Et puis un jour dans la semaine, il fera du jeu de vidéo. Waouh! Et trop bien. On rappelle quelqu'un. Hein. Et bah, il a raison. Tout le monde en fait. Salut Ayel! Oh, il y a Ayel aussi! Coucou Slam Dunk! Oh là là, mais que des streamers! Regardez, Ayel! On a tous les habitués qui arrivent, hein, pour ceux qui étaient là et qui ne connaissent pas le stream. On a tous les habitués qui étaient chez Alex qui stream tous les 24 des années bisextiles. Qui viennent de redébarquer. Donc, coucou les habitués! Voilà. Et puis, et au cas où, je fais un shout out aussi pour Aurélia, des fois qu'elle restream un jour. Ça marche. Coucou Xenowitch! J'aurais dû savoir qu'on arriverait ici, hein, tous les chemins mènent à Beacon Cloud, n'est-ce pas, Xenowitch? Voilà, réajuste le son. Oui, parce qu'ici on a du volume, oui. Les petits copains, attention. Streamer connaît pas, on sait jamais, Aurélia, on sait jamais, sur un malentendu. Salut Flouki, salut Mimi. Allez, salut dans le coin. Et voilà. Je crois. Hop. Oui. Listening to the ocean, I saw a face in the sand. When I picked it up, and it vanished away from my hands down. I had a dream, I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting. Patient for me, and I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But now take me home where I belong. I can't take it anymore. I was running far away. I ran off the side.
take me home, home where I belong. No, 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 take me home, home where I belong. I can't take it anymore. Oui, j'y pourrais rien, au cas, il faudra faire avec. Merci. Hey, alors justement, je dis, hey, c'est voilà, ça pop. Aurélia, elle vient quand on fait Runaway. Oui, c'est ça, c'est rigolo. Alors sachez qu'on a, j'ai fait un temps fort de la version Runaway, version 1856, chantée par Aurélia. Et oui, ici présente dans le chat même. Ici présente dans le chat et ça marche quoi, et c'est cool et c'est une super version. Donc il faut voir, faut vraiment voir cette version-là. Évidemment, on va la rapatrier sur notre chaîne YouTube de VOD parce qu'évidemment, on pourra pas la laisser. Ici sur Twitch, et une version à tout le groupe, à 5. Et voilà. C'est mortel. Alors j'ai raté plein de trucs dans le chat, mais un jour, ouais. Hop là. Mais voilà. Je croyais que c'était celle des filles irlandaises, mais pas grave. Runaway. Ah oui, tu pensais que c'était les Corses. Ah bah non, c'était de Aurora. Oui. Bah oui, non, tu t'es comment t'es elle fait d'ailleurs Runaway des Corses? Ça fait comment déjà? T'arrives à la chanter, à la fredonner? Non, j'ai le Aurora dans la tête. Non, c'est mort. Mais effectivement, j'ai beaucoup entendu les Corses aussi. Et tu sais quoi, même diplomate, on nous l'a proposé, on nous l'a suggéré cette chanson. Voilà. Ah oui, putain, comment ça fait déjà? Je sais plus, non, mais là j'ai Aurora dans la tête. Il y a de la musique là de Spotify dans les oreilles, laisse tomber. Non, je l'ai plus. Et voilà, non, mais carrément. Voilà, là. Ouais, hein, Aurélia, quand t'arrives, quelle coïncidence. C'était même pas fait exprès. Ah là. En tout cas, on espère que ça s'est bien passé. Je sais pas, Alex, si t'as répondu par rapport aux 32 000 degrés dans ta piole. Enfin, dans ton studio, plutôt. Donc, on espère que ça s'est bien passé. Et que voilà. Oh, Middle Fox! Hey! Alert, yes, yesterday, yes, and I saw your new panels and transitions, and amazing. Wow, that's really amazing. Yesterday, Becky was lurking on the middle stream. guys, if you want harp sessions and paintings and a lot of beautiful things, you can follow Mido Fox. Chers amis français, si vous voulez de la harpe, c'est la première harpiste twitcheuse du monde entier. Eh ben, elle est là, elle stream depuis 2017 et son contenu de qualité, donc du dessin, de la peinture plus précisément, et un peu de cuisine des fois, mais de la musique surtout. Voilà. Donc allez regarder ce que fait Mido Fox. C'était quoi la question? Est-ce que t'as cuit? Et ça va? Ça s'est bien passé? Ton stream, la suite de ton stream. Tu as cuit. Alors qu'est-ce qu'on va jouer, mon bon monsieur? Qui c'est des noms qu'on voit pas beaucoup? Des gens qui font pas beaucoup de requêtes? Bah, parmi les nouveaux, y a personne qui a fait des requêtes, je suis dessus. Hey, if you want to make a request, Mido, yeah, even if you are lurking, it's music day here in France. I don't know about you in the United States, but here in France we have la fête de la musique every 21st of June. It's la fête de la musique. T'es en vacances dans 10 jours, Aurélien? C'est la fête du slip. Wow. Et ouais. Et oui, et Ayel qui fait un EP. Quoi. Alors Bricogo, bien tenté, mais il faut prendre depuis la songliste. Oui, c'est mieux. Je peux faire un mot, hein, je peux faire Today. Voilà. It's gonna be the day. The music yesta. Gonna throw it back. Voilà. To you. The music yesta. Mais oui, t'inquiète pas, on fait tous des pains au début. C'est l'enfer, on se sent démunis, puis après, à force de les faire, ça va mieux. Puis après, des fois, il y a des pains, tu vois, c'est comme ça, c'est on fait la couleuvre. Et ben, ouais. Oh, to oh, be yeah. Ok, let's go to do that. Yeah. Je suis sûr d'avoir vu Merguez Party démusclé dans la songlist, j'ai rêvé. Oui, tu as rêvé, Charmoula, tu étais sur un autre stream, je pense. Au moins, quelqu'un nous a fait une blague. Mais normalement, non, il n'y a pas la Merguez Party. Non, et ça, il aurait voulu. C'est là. Merguez Party. Non, je suis devenue boulangère professionnelle perso, nous dit Ayel. Ah, et ça c'est une bonne nouvelle. Boulangère professionnelle. Alors, on n'avait pas, on n'a pas changé, moi je suis bien en ré bémol.
On est bien là, attends, je vais juste faire. Je trouve des accords, putain. Ouais. Ah non. Yes, ok. Parfait. Bon, je vais tout faire d'oreille parce que toi, t'as écrit en ré bémol mineur. Pas du tout ma tonalité, mais je vais m'en sortir. Ah bah oui, mais toi, t'es capable. Je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Let's go for Meadow Fox. Thanks for the quick request. Quick request. Maintenant, oui, Meadow, for you. Yes, now. Prime time. Live. Now live for Meadow Fox. Quoi? Tu. Oui, j'ai eu une petite absence. Ah là là. Non, mais t'inquiète pas, Diplomane. T'inquiète pas. Tu voulais quelle chanson? Attends. Yellow. On va la rajouter. Et on va la rajouter pour toi, Diplomate. Y a pas de souci. C'est juste qu'effectivement, on aurait dû enlever le. Le bot est un peu têtu, mais t'inquiète pas. Thank you, Meadow. And congrats for your new animated claps. We saw them on our chat before you went here. And from I don't know who, oui, but somebody had your claps in our chat, and I was like, oh man, it's from Meadow Fox. Non, c'est bon, en fait. Cool, très très bien. Pourquoi pas. Je regarde. Qu'est-ce qu'il voulait rajouter, Diplomate, en fait? Bah justement, Yellow. Ah très bien. C'est marrant parce que de Tipok et Matt, ils veulent la même chose en fait à chaque fois. C'est rigolo. D'accord, c'est marrant. Ouais.
effectivement. Oui, elle est dans la liste. Très très bien. Mes Alors, excuses. Qu'est-ce qu'on va leur jouer maintenant, mon bon monsieur ? Eh bien, il y avait Niobe qui disait « Oh, vous pouvez jouer la mienne parce que je vais partir !» D'accord, on va faire Shallow. Voilà, coup, ce qui nous permet de nous décider Niobe. Assez rapidement, l'air de rien. Voilà, très bien. Yes. Oui. Yes. Thank Let's you, go. Mido. Let's go. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for a change. And in the bad times I fear myself. Merci. Pareil, Yael, hein, tu sais, c'est pas. Voilà, on l'avait fait pour un mariage, celle-ci. On l'aurait pas rajouté sinon, mais bon, on finit par s'y faire. Mais la fin est trop brutale et la structure est chelou. Mais bon. Bon, alors, écoute. Avec plaisir, Niobe. Oui. Avec plaisir, diplomate également. Coucou, Laurent. This animated heart is so cool.
which one? Yay! Oh, Chef Macaroni! Chef Macaroni. Coucou, Chef Bienvenue Macaroni. Chef. Est-ce que ça cuisinait des macaronis aujourd'hui ou pas? Ça cuisinait quoi? Est-ce que ça cuisinait quelque chose déjà? Ou est-ce que tu en fait, c'est un streamer Counter-Strike? De manière inattendue. On sait pas, mais peut-être. Ça cuisinait de la musique! Yes! Oh. Ça, c'est beau ça! En mode quoi? En mode instrument artisanal, en mode avec mes cordes vocales. Très Regarde, bien. En plus, c'est pour de vrai. Il a oh, trop bien! Le chef Macaroni. Bienvenue. Cool, de la musique. Eh ben oui, effectivement, il fait de la guitare et il a l'air de chanter aussi. Mais tout le à chef fait. Chef Macaroni. Mais oui. Yeah. On fait de la musique aujourd'hui en tout cas. Guitare acoustique et voix. Trop bien. Tout simplement. Merci Mamie Panda pour le follow. Classe. Bienvenue, vous êtes chez Becky and Cloud. On est un duo du nord-est de la France, situé à Metz, même plus précisément. Et puis, nous sommes musiciens d'activités à l'année, hein, évidemment. Et on s'est réfugiés ici pendant le premier confinement. Et depuis, on est restés. Et on stream les samedis et les lundis. Je vais le faire dans l'ordre. On stream les lundis et les samedis en duo, ici, de 20h à minuit en général. Et le mardi ou le vendredi en solo, avec un répertoire complètement différent selon qui est en live. Et le jeudi soir, on fait du gaming à 23h, puisque, parce que, voilà, on aime bien jouer aussi à des trucs. Voilà. Et si vous avez rien compris, vous faites point d'exclamation planning. Voilà, tout simplement. En tout cas, si tu veux une chanson, Chef Macaroni, vu que... Voilà, a priori... Diplomate, patron, n'hésite pas à faire une petite requête si tu le souhaites. Merci Maogas. Voilà, très très bien. Alors, voyons voir. Merci Sunflower. Wish You Were Here. Toujours pas. Je crois pas qu'on l'ait. Encore. On aimerait bien la faire celle-ci. Brickogo, don't hesitate to look in the song list if you want to check all the songs that we can play and that are on the song list to request. If you don't know how to make a request, Brickogo, you can type exclamation point how to, and you'll know. And if you know, you know. Sinon, on peut faire, je sais pas, 7, ça fait longtemps qu'il a pas demandé. 7, je vois pas souvent des requêtes de 7, effectivement. Mais pareil, Nebel Tag, j'en vois pas souvent non plus, des requêtes de Nebel Tag. D'accord, je regarde. On vous rappelle que si vous êtes nouveau sur ce stream et que c'est votre toute première requête de chanson, eh bien, nous la mettrons en tête de liste pour faire honneur à votre venue. Voilà. Tu veux commencer par celle de Nebel Tag? Allez, on commence par celle de Nebel Tag. Ok, Nebel Tag et après... S'il y a des gens qui viennent de Chef Macaroni et qui veulent faire des requêtes, si vous savez comment on fait et que ça fonctionne pareil chez le Chef Macaroni, eh bien, sachez qu'on placera vos requêtes en tête de liste pour vous souhaiter, donc, je le disais, la bienvenue. Si c'était les vrais. Oh, c'est trop gentil, Galak. tu feras un bisou à ta femme. Alors, Fiat Minimis, je pense qu'un jour, ça ce sera un défi de chanter ce morceau-là, de chanter Phantom of the Opera, version Nightwish. Oh mon Dieu. Ce sera un jour un défi. Voilà. Contre fa. Non, mais on adaptera les tonalités s'il faut, mais bon. Le chef, on le spam pour les requêtes. Allez-y, joue à ça, enculé. Allez-y. Vous savez où est la songlist? En exclamation SL. Faut mettre les liens YouTube et le replay. Le lien YouTube pour voir les rediffs musicales de Becky and Cloud, c'est en cliquant sur le lien qui vient de s'afficher dans le chat. Et ouais. Puisqu'on ne peut plus les laisser sur Twitch, sinon on se fait taper sur les doigts. Sache-le, Chef Macaroni, il ne faut pas laisser les VOD musicales en ligne sur Twitch, sinon voilà, il y a risque. Pour le moment, ça va, mais après, ça va. Comme ça. Ouais. Je règne en tirant sur mon live, pas de système de requête. Non, mais écoute. Tu joues à quoi, Nebel Tag? Ah ouais. Il joue en même temps. Attends, on lui fait Bittersweet Symphony. Polopip. Oui, je teste toujours mon son de piano avant de commencer. Moi. Merci encore une fois aux abonnés qui changent les caméras pendant les morceaux, c'est très gentil. N'oubliez pas de revenir sur la caméra numéro 1 de temps en temps. Et tandis que ça balance dans le chat. C'est parti. The Verve. It's a bittersweet symphony, this life. Trying to make ends meet, you're a slave to the money, then you die. I'll take you down the only road I've ever been down. You know the one that takes you to the places where all the lanes meet, yeah. No change, I can change, I can change, I can change.
But I'm here in my mold. I am here in my mold. But I'm a million different people from one day to the next. I can't change my mold. No, 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 no. But tonight I'm on my knees, yeah. I need to hear some sounds. I recognize the pain in me, yeah. I let the melody shine, let it cleanse. Find somebody that is I. No change, I can't change, I can change, I can change. But I'm here in my mold. I am here in my mold. But I'm a million different people from one day to the next. I can't change my mold. No, no. Melody and sigh. Have you ever been down? Merci Max! Oh yeah! And thank you Bricogo for the bravo. The bravo! Bravo! Have you found anything in the song list, Bricogo, that might suit you? Yay! Merci Gooseberry! Merci Seth! Merci tout le monde. T'as Lyodon qui dit « J'étais en concert samedi soir en tant que chanteuse, ça c'est la classe, musique de louange chrétienne, c'est la classe. On s'est amusé, il y a un titre où on a intégré la phrase musicale caractéristique de ce titre, ça m'a éclaté à chaque fois. C'est laquelle? Quelle phrase est caractéristique? De ce film, bah, la film ce... c'est... Pas de ce film, de cette chanson. Non, non mais c'est issu aussi d'un... Ah oui? Attends, il y a un titre, on intègre la phrase... Caractéristique de ce titre. Ah, de ce titre, pardon, ouais. Je croyais qu'elle faisait référence au film. Voilà. Alors... Il pleut du talent directement dans mes oreilles. Oh non mais oui. Et des fondus au noir directement dans mes yeux. Et ouais, t'as vu ça un peu. Il y a du tout. Il y a à manger, à boire, de l'œil et de l'oreille. On essaye merci, en tout cas. Nyx. Salut Nyx. Merci à vous de nous donner du bonheur avec vos musiques. Avec grand plaisir Nyx. Feu. Si jamais tu souhaites faire une requête, comme je le disais précédemment, aujourd'hui priorité aux nouveaux qui débarquent sur le stream. Oui. Si jamais vous faites une requête, on vous la place en tête. Haha. Et bonsoir Turbo Kékette. Et oui, disait-on au début du morceau. C'est mortel. Alors. Je trouve pas la liste.
point d'exclamation songliste ou point d'exclamation liste Bricogo. J'ai mis le lien au cas où tu peux regarder, il y a le lien juste à côté. Chef Macaroni, tu veux une chanson en français ou une chanson en anglais? Mais voilà, compo en français ou compo en anglais? Rebecca, elle compose en français, moi je compose en anglais. Rebecca, elle fait des trucs de ouf. Piano, non, mais lui aussi fait des trucs de non, c'est mieux elle. Très joli compo aussi en anglais. Priorité à celui qui a la vie qui vaut plus. C'est dans Camelot, évidemment, Rebecca. Oui. Il y avait les Yellow qui devaient arriver, nous dit Diplomate avec un air parfaitement calme. Oula, pardon. Excusez-moi, je l'ai gueulé celui-là. Oh, Oulette ! Pardon. Donc, du coup, ouais, faudra faire Yellow à un moment donné aussi. N'est-ce pas? Ouais, ça fait longtemps en plus. Hop là, oui, ça fait, c'est ça, effectivement. Ah, Oulette ! Il est pas, c'est ça, je l'ai sorti un peu fort celui-là. Faudra que je l'ai un peu gueulé. Donc, du coup, Chef Macaroni, il a dit, je sais pas. Non, mais il a pas répondu. Non, il a peut-être pas entendu. Français ou anglais? Chef Macaroni. Français, anglais. Compo en français, compo en anglais. Voilà. Attention, Chef Macaroni. Chef Macaroni, veux-tu une composition en français ou en anglais? Tu as demandé une composition de notre choix. Nous n'avons pas de composition en duo, nous n'avons que des compositions en solo, à savoir soit les compositions de Becky. Il a dit en français. En français. Est-ce que c'est ta dernière bafouille? En français. Nous allons donc effectuer une chanson en français. C'est parti. Eh ben, je vais faire celle-là, écoute. Faire charme d'humanité. Enfin, ouais. C'est mon ultime conséquence. Ah là 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 là. Tu es de quel coin, Chef Macaroni? De France. Bah, d'Italie. Bah, quand même pareil. Qu'est-ce que tu crois? Non, mais évidemment. Ah, Bricogo, do you want me to speak to you in English or in French? Bricogo, tu veux qu'on parle en français ou en anglais? Qu'est-ce que tu préfères comme langue? Sur son pancake. Complètement français. Les deux, ok. Si jamais tu veux ajouter cette chanson à la liste d'attente, Bricogo, tu peux faire point d'exclamation SR, un espace, et le titre du morceau, à savoir Fix You. Point d'exclamation SR, un espace, et Fix You. Et ça rajoutera le morceau dans la liste d'attente. On a un morceau Diplomate de Alanis Morissette qui s'appelle No Pressure Over Cappuccino. C'est Rebecca qui le chante et c'est trop bien. Et elle sera peut-être sur le prochain album. Ah, presque. It's exclamation point. Yes. Point d'exclamation. Like point d'exclamation. Mais ouais. I showed you just before. Do it. Look at it. Do it. J'étais un peu dégoûté qu'il flotte ce soir chez moi. Pas pu profiter du plein air. Heureusement, vous êtes là. Oui. Ouais. Et vous me refaites la soirée. Trop bien. Fouki. J'aime bien ce qui est. Présentation! Yes! You did it, Bricogo! You did it! Yes, ok. Alors on va faire. Tu l'as dit, dites! In the order. On parlait de langue alors du coup. Pour Chef Macaroni, 7H. Flouki, Tipok et Matt. Et pour Bricogo. Voilà, dans Bricogo. L'ordre qui veut venir. Yes. Borstein, ça fait longtemps! Salut Borstein! Coucou Borstein! La pierre de Borsch. Non? Non, mais c'est cool. Ça se dit pas comme ça. Non, mais c'est cool. Salut! Go follow. Allez. Go follow Borstein. Bienvenue. Bonjour. Si vous arrivez de chez Borstein, nous sommes Becky and Clad, on fait la fête de la musique ce soir. Et on est live habituellement les lundis et les samedis. Tu vas bien, Borstein? Pour la musique. Oh, le PC, il m'envoie des sortes de. D'air chaud comme ça. Et ça sent l'ail ou pas? Non, ça sent ça pas va, le tartare. Non, ça sent pas le tartare. C'est une private joke avec Rebecca l'autre soir. Ouais, tu dis, mais il y a un truc qui pue. Je fais, oui, je viens de manger du. Ouais. C'était très drôle, il m'a fait « Ah, oh, c'est quoi cette odeur ?» Et je lui ai dit « Je crois que c'est mon haleine. » C'est bizarre, ça pue quand même. Ouais. Alors qu'elle en avait mangé elle-même, mais j'ai eu l'outrecuidance de prendre du tartare à la cuillère comme ça, un petit peu juste pour me dire « Tiens, un peu de tartare intense. » Elle m'a fait « Ah, oh, c'est quoi ça ?» Je lui ai dit « Non, Rebecca, je crois que c'est moi. » C'était juste affreux. C'était affreux, voilà. Donc c'est pour ça que Rebecca vient de faire l'évocation du « Est-ce que ça sentait le tartare ?» Tout va bien. Charme d'humanité, retournons dans la poésie, s'il vous plaît. Ça sent là et ça revient. Oh, très et bien. Est-ce que tu m'as dit d'où tu venais, Chef Macaroni? Du coup, j'ai pas vu si t'avais mis. Il a dit de France. D'accord, ok, tu veux pas préciser ta région. Rejoins tes musiciens de France. Je ne souhaite pas divulguer ma localisation, région parisienne à peu près, voilà. Je préfère rester anonyme. Attends, je suis mort de rire pour ma chanson. Ah ça ouais, marche pas. Charme d'humanité, je fais des chœurs. Ah, de Libo? Non, tu fais de Libo. Oh, Nick! Nick, alors voilà, monsieur, parle de son haleine de chacal, mais par contre, il me. Alors pour sortir les guitares, il n'y a plus personne, hein. Voilà, c'est ça. Alors bravo, hein.
Hop, alors la guitare électrique. Non, parce que c'est toute une histoire pour sortir la guitare électrique. Voilà, la guitare électrique, le preset de guitare électrique, il est où? Il est là. Le logiciel qui répond pas, donc il faut le faire à la main. Hop, attendez, c'est artisanal ici. Hein. En live, évidemment, on a un ingé son, mais là. On a un ingé son, mais, pas là. Mais pas en direct. Hop, donc ça, d'accord, on met de la réverb parce qu'on est des ouf. Voilà, plein de réverb. On passe en. En clean, en dry, en. Un peu de délai, j'ai envie ton de dire. Ton niveau est là devant toi, hein, si tu le cherches. Je cherche le délai aussi. Le délai? Le délai? Voilà. Ma tourbe kékette. On a du délai, on est pas mal. On coupe le tone, on prend l'hypo. Tu m'as dit il est devant toi, il est là. Dans ton angle mort. Dans mon angle mort, exactement. Cet accord, je veux sortir avec. C'est un bon morceau. Je suis en train de faire la naufragée. J'oublie toujours la première note du solo quand je pars. Ça doit être. Je sais pas. Alors, Abo, il a pas bon, aimé je trouverai. Le mot Abo. J'ai pas mal d'Abo ce mois-ci, mais le prochain mois, ça pourra le faire. Hop là. Ok, ça discute. Ok, on est parti pour Charme d'Humanité. Et ben, merci à toi, Chef Macaroni, encore. C'est une composition du projet solo de Rebecca, de Becky. Et le projet solo de Rebecca s'appelle Reveca, R-E-V-E-2-C-A. Si vous souhaitez faire point d'exclamation Rebecca dans le chat, vous aurez plus d'informations sur comment écouter davantage de chansons. Le monde est en marche, les immeubles en béton, toutes les idées éparses qui flottent à reculons. Un peu de noir, un peu de gris, un peu de soir, une petite prise. C'est sur mon toit de tôle rouillée qu'enfin je vois l'humanité. Les œufs en amande lavent tout en soi, mais qui se demande pourquoi je suis là? C'est dans les parcs, les soirs d'été, qu'enfin je vois l'humanité. Le corps est souple, la cambrure féline, et au moindre souffle, la fuite maligne. Un peu de peur, un peu de jeu, quelle que soit l'heure, soyons curieux. C'est à la fenêtre des gens cachés qu'enfin je vois l'humanité. Oh, qu'elle est mignonne, approche donc ma belle. Il suffit qu'il donne et qu'il me rappelle. Un peu d'envie, un peu de chaleur, un peu de vie, tout en douceur. Un peu d'envie, un peu de chaleur, un peu de vie, tout en douceur. C'est sur les genoux des cœurs entiers que je retrouve l'humanité. L'humanité. Je suis un chat plein de...
juste de passage devant. Qui est là? Oh là 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 là! Merci diplomate! Merci diplomate pour ton message. Merci capitaine! Ouais, capitaine! Très beau morceau. Content, j'ai une compo, yeah! Yeah! Merci The Tipoc! Super, j'aime tout! Eh bah, ça tombe bien! Tant mieux! Merci beaucoup en tout merci cas! Merci beaucoup! Merci Bricogo! Donc c'était une composition de Rebecca, sous son projet solo Rebecca. C'est toi! Voilà, si vous voulez plus d'infos, c'est moi. Si vous voulez plus d'infos sur voilà sur le projet en cours, et eh ben voilà, regardez, il y a un lien, je l'ai mis. Elle reste dans la tête cette chanson. Oui, un petit peu, c'est vrai. Co-composé avec notre ingé son d'ailleurs. C'est vrai. Qui s'appelle Alex Aikin. Purified, poser une question intéressante si tu veux y répondre, Rebecca. Oui, alors tous les premiers vendredis du mois, normalement, il y a le Bandcamp Friday. Ouais, et donc, effectivement, là, ça nous permet de récupérer la part que Bandcamp prend habituellement. Ouais. Ce qui est sympa. Ce qui fait un petit truc en plus. C'est un petit truc en sympa. Plus. Sympa, voilà. De leur part. Mais ils le font qu'une fois par mois. Et je sais pas quand est le prochain, mais sûrement le vendredi de début juillet. Voilà, si jamais. Oui, mais je dis, le Alex Aikin, c'est son vrai nom. Et ouais. Tritox, c'est son pseudo quand il vient sur Twitch, effectivement. Mm. Enfin, son, voilà, quand on a plusieurs Alex, on dit c'est Tritox. Ouais, comme sinon, ça, c'est moins, compliqué. On sait de qui on parle. Merci, Nixf. Ah. Est-ce qu'il faut dire Nixfé ou est-ce qu'il faut dire Nix ou est-ce qu'il faut dire Nixfeu, comme Nexfeu? Merci, Purified. En tout cas, n'hésitez pas à revenir. Hein. Merci, Macaroni. Je suis contente que la compo t'ait plu. À combien tu enlèves ton chapeau? Pendant les lives jeux vidéo, très souvent. Voilà, tout simplement. Donc revenez le jeudi pour me voir sans chapeau. Ah, super technique marketing. Voilà. Non, sinon, quand je dors, quand je prends la douche, en fait, quand je suis pas en live, finalement. Ouais. Donc tout le temps. Voilà. Alors, quand on fait des sub-goals. Ah ouais, tiens, ah, mais non, mais c'est nul ça, parce que j'enlève mon chapeau. Non, mais parce qu'on s'est déguisé en toi et moi. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai vous avez raté ça. Ah, le live de 12h qu'on a fait le 29 mai. On a échangé nos vêtements, j'ai pris son chapeau, je lui ai fait des aiguilles au coin des yeux, et voilà. Pour ceux qui se posent la question... Quand il fait Rebecca, voilà Laurent, exactement. Tu as totalement la voilà Laurent qui a les bonnes rêves. Dans 1856 aussi Hop là. Oui, en live en fait. Voilà. Donc oui, Rebecca n'a pas des tatouages au coin des yeux, mais bien du maquillage, sachez-le, si jamais vous vous posiez la question. Pour combien t'enlèves ton maquillage? Voilà. Il faut que je rechange les paramètres de guitare. Non, laisse-moi la souris. Ok. Hop. Et après, on jouera Stand By Me pour 7. Ah yes, 7 très bien. Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux qui ont fait des requêtes pour le moment donc, Ouais, Reb, salut, elle est vachement bien. Là. C'est bon, tu peux reprendre la souris. Ouais. Pas la cravate, mais la chemise, le gilet et le... Ouais, c'était normal, quoi. Enfin, non, dire, c'était, voilà. C'était pas mal. Bon, après, je t'avais dessiné une moustache de D'Artagnan. Moutarde. Alors, c'était tu compliqué. M'as dit... Une moutarde. Moutarde. Alors sachez les petits amis que le live s'arrête à minuit puisque avec les voisins on a eu une discussion voilà, et qu'ils tolèrent qu'on joue de la musique jusqu'à minuit, ce qui est très sympa de leur part, mais pas au-delà. Donc du coup si jamais vous aviez des requêtes à faire et que vous êtes nouveau sur ce stream et que vous n'osiez pas, eh bien c'est le moment d'oser. Il vous reste 50 minutes, 49 minutes même pour faire des requêtes. Donc faites-le pour célébrer cette fête de la musique. Et sinon retrouvez-moi demain à 20h ici même sur cette chaîne en là, solo. Là il y a plus de 300 morceaux dans la song. Ouais, vous aurez complètement d'autres morceaux de disponibles demain, donc ce sera pas les mêmes. Donc venez parce que ça n'arrive que toutes les deux semaines au mieux mes lives solo. Et pareil pour Rebecca, ouais. Ça n'arrive que toutes les deux semaines, c'est live solo. Donc soyez au rendez-vous demain 20h. Et sinon jeudi 23h pour du jeu vidéo. Et samedi 20h pour redu duo. Voilà. Et ouais Galak, ouais mais bon quand même. C'est lundi tu vois, c'est pas comme si c'était samedi. Si vous voulez voir l'ordre des morceaux, ici... au-dessus de Priority Songs, vous avez vraiment l'ordre, et après on pioche dans le reste. Ouais, c'est ce ça. Ce qu'il y a au-dessus. Voilà. Voilà. Kill the Neighbors. Non, ils sont déjà sympas, nous laisser jouer jusqu'à minuit. Non, elle n'est pas encore passée, Yellow. Bonne soirée, Borstein. Merci soirée. Encore pour ton raid. Oui. Mais le mardi, je regarde un stream de JDR, exactement sur le même horaire. Eh ouais. Ah, oh, écoute, c'est pas grave. Ah, sinon, tu me mets Mister en fond Cifius. Pour la musique. Oh, Mister Cifius. Allez, petite roulette de défi. Tu repasses Mister en. Mister Cifius. Ouais. Cool. Je teste. Allez, Cifius. Donc. On va tirer au sort, voilà, un défi, et en fonction, tu pourras choisir le titre qui te plaît, Sifus. Bah, tu as l'habitude, toi. Mais on explique aussi pour les nouveaux. Le temps passe tellement vite. Oh, une chanson surinterprétée. Ah, ça fait longtemps, ça, c'est Naphiros qui doit être deg. On avait fait Creep comme ça. En surinterprété. Qu'est-ce que c'est en surinterprété? C'est une chanson où on en fait des caisses. Voilà, imaginez un morceau sentimental, et ben on en fait des caisses, des caisses, des
Comment? Des caisses! Voilà, comme ça, à des peu près. Des caisses comme ça, voilà. Donc, Sifius va se rendre dans la songlist pour choisir un morceau qu'il veut que nous interprétions en faisant des caisses! Des Salut, quoi? Sub-Zero! Des Coucou. Caisses. Coucou, Sub-Zero. Ça fait longtemps que ce défi n'est pas sorti, l'air de rien. C'est vrai. Et Sifius a réussi à le lancer grâce à ses nombreux points qui lui ont permis de lancer ce défi de la roulette et de lancer la roulette. Ah, mais je sais. Ok, très bien. Ah, il a une idée, Sifius. Il a une idée derrière la tête. Du Calogero pour en faire des caisses. Parce qu'il en fait des caisses, Calogero? Non. Si j'ai la musique en fond, ça me capte trop okay. Et j'ai du mal à suivre. Ça marche, Talion. Eh bien, écoute, tu regarderas les rediffs sur YouTube maintenant que. Voilà. Elles sont publiées régulièrement ici même sur YouTube. Il faut s'abonner pour avoir les VOD parce qu'on peut pas les laisser sur Twitch. Ça va, vous? On est parti? Ah oui, stand by. Stand by me. J'accélère un petit peu parce qu'il est déjà ouais, ouais, un quart ouais, ouais, et qu'il ouais, reste ouais, que 45 minutes. Donc, ouais. Voilà. Allez, c'est parti.
figure like this song. Et après, il fait un solo Pumba, il est trop bien. Il prend le fair enough. Et il arrive et c'est trop cool. Faudra que je la réécoute cette version. Merci beaucoup. Alors, sans surprise, le morceau qui a été choisi pour le défi, c'est soit Snack Bar chez Léon, soit Snack Bar chez Léon. C'est-à-dire que les gens... Écoute, c'est vrai que celui-ci, on l'a pas fait avec ce défi-là. Faut tester. Mais bizarrement, quand il faut faire un défi, c'est souvent Snack Bar chez Léon qui sort. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Et j'ai failli le deviner. C'est-à-dire, j'ai dit, ah, Sifus, il va demander Snack Bar chez Léon. Ah, bah écoute. Et ouais. On essaie, on n'a jamais fait. Oui, c'est vrai. En faisant des caisses. En là ou en si? En si, d'abord. Plus. Très bien. Et ben c'est parti pour le défi pour Monsieur Sifus. Monsieur Sifus. C'est obligatoire. Comment? Alors, attends, Rebecca. Faut se mettre en condition. Des caisses! Des caisses! Ah! 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 Et des caisses! Ok. Allez! Snack! Snack! Merci le Giro! Pour le follow! T'es prête? Oui! Ok! 1, 2, 3! Ouh! Snack bar chez Léon! Snack bar chez Léon. Dans un bled perdu sur une route sans issue, tout le monde snack bar chez Léon. Allez nager dans une vieille boulotte crâne où on vous sert une salade dans laquelle on peut voir les coccinelles en escapade, la grosse carole de jujube. Le poids des côtes sur son menu. Les banquettes ont sans ton ton envoi. Y'a des écharpes dans ton cul. Y'a un repas du jour. Je te le suggère pas toujours. Y'a un cheveu sur ton steak. Le chien pas une frite sur la tête. Au comptoir, on veut s'asseoir juste à côté du gros motard qui a pas le dent. Snack bar chez Léon. Snack bar chez Léon. Pour oublier ce qui tue le pinard bon burger qui dégoûte. De snack bar chez Léon. Et puis là quand tu reviens de manger, là ça fait une boule sur l'estomac. Ce qui fait que Dolly Parton quand elle y va, ça lui en fait trois le soir quand les lumières s'allument. Y'a des néons qui sont manquants. Alors au lieu de restaurant, c'est écrit restant. Manger là-dedans, c'est pas mal dans un sens. Espérer que plus ça remonte dans l'autre sens. Y'a des mouettes dans les poubelles qui rendent la même chose que toi en bas dans les ailes. Snack bar chez Léon. Snack bar chez Léon. Et là le fin de kinandan. Oui bien ma chérie, allons nous mettre en ligne et puis chantons. Tout le monde snack bar chez Léon. Quiche au jambon, quiche au fromage, quiche qui va être malade. C'est moi c'est dommage, pas compliqué. Tu roules et tu vois rien à l'horizon. Et puis tout à fait snack bar chez Léon. Oh oh oh. Désolé les voisins. Snack bar chez Léon. Snack bar chez Léon. Je connais Léon, je connais Carole, je connais Stérol. Tout le monde snack bar chez Léon. Si c'est ton genre de surveille, est-ce que tu manges? Surveille bien ton steak, il te regarde, on me retranche. Pas de lave ton palito, farine et tout pétouille. Tout le monde snack bar chez Léon. Ouais. Ravenscroft, merci pour ton follow. Merci Ravenscroft. Un rapport avec le piano, les pianos Ravenscroft ou pas? Ouais, peut-être. Merci voilà. En tout cas Sifus pour ce défi. Cette chanson était faite pour ce défi. Je sais pas, mais en tout cas c'était une tentative. C'est bien. Alors ouais, super. J'ai chaud maintenant. On va monter aussi la requête de Purified. Ah, et maintenant voilà. C'est aussi Yellow. On va faire le Yellow, on va faire Fix. Merci pour les claps à la bourre. On va faire Yellow, Fix You et Murder Song. Voilà déjà. Okay. Déjà. Ok. Attends, faut que je buve. tu buves? Ah, ouais, faut que je buve. Merci okay, Laurent. Ok, et ben buve. Exclamation voisin. Tiens, c'est marrant, pourquoi elle sort pas la exclamation voisin? Bon, bah.
Comment la jouer autrement? C'est vrai que, bon... Bah, voilà, on la joue en mode petite balade, comme l'original, normalement, celle de François Pérus. On la joue pas en mode à l'arrache, parce que c'est pas le propos du morceau, en fait, en vrai. Mais ouais, c'est vrai. Bah, après, c'est vrai que, bon, voilà, c'est drôle. C'est une chanson drôle. Ouais, ouais, mais c'est fait pour être une balade sur les bouis-bouis de bord de route qui vendent de la merde, de la bouffe. Pour ce morceau, ça choque pas, c'est juste normal. Ah, merci. Ah, là, là. Ah, c'est pour ça qu'il est sorti. Ok, ça marche. Et non, Coldplay, on a deux morceaux de Coldplay à faire. Hein, avec, ah ouais ouais. C'est là, c'est quoi? Ah, merci, Yellow. J'ai changé de guitare. Tu peux la faire au piano? You. Ouais, Fix You, vas-y. On fait d'abord Fix You parce que Julien a sorti la guitare électrique. Ouais. Ne nous en voulez pas, donc d'abord j'ai c'est Brico Go. Ah, au secours! Au secours! Ouais, mais attends, Scalure. C'est pris dans le Bixby. Non, mais ce soir, les voisins, ils sont sortis faire de la musique. Non. 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 Puisqu'il n'y a pas de fête de la musique à Metz. Non, ils ont supprimé. C'est pour ça qu'on est là. Oui. Plus un demi-ton. Et ben voilà, j'ai déjà fait. Donc. Ah. Ça a marché. Et oui, oui, non, mais dans certaines villes, ils ont supprimé la fête de la musique. Mais oui, elle est chez nous, la fête de la musique à Metz. Tout à fait. Ça se trouve, ils sont partis voir un spectacle à l'autre bout de la France et rentreront pas avant une heure, hein. On sait pas, on sait pas. On va aller écouter à la porte. C'est bon pour toi? Ok. Tout est prêt. Non, j'ai pas répondu. C'est pas forcément bon pour moi. Attends, hop, comme ça. Vous allez me faire pleurer. Plus un demi-ton. Donc il faut que je mette un capot. Non. Non, non, moi je la joue en mi bémol. Oui, d'accord, ok. Enfin, mi bémol, mais en. Doigté de mi bémol, mais mi majeur. Et alors d'abord on fait Fix You et après on fait Yellow. Voilà. Ok. On est parti. Ah, il va marcher. But you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. Tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be thank you.
La guitare électrique, let's go! Let's go! Salut Echou! Le copain Echou. Alors si vous connaissez pas Echou, là, faut faire quelque chose, hein. Bah là, oui, c'est... non mais vous connaissez déjà Echou. Non mais évidemment. On va faire l'alerte spéciale à Echou. Ah oui. Je sais pas s'il y a bien un guitariste électrique français qu'il faut suivre, c'est Echou. Voilà, s'il y en a bien un, c'est lui. Voilà, bonne fête de la Zizik. Tu fais pas de... tu fais rien ce soir? Pas le lundi. Non, pas le lundi, mais peut-être qu'il aurait pu exceptionnellement. C'est vrai, non, il a dit plein de cul, j'en ai marre, j'arrête le stream, je me lance dans le fromage de chèvre. Non, il faut faire du il veut être camionneur maintenant, à force c'est de vrai. Faire. Il veut aller au Canada. Il veut lâcher, il veut vivre sa meilleure vie dans le Michigan maintenant. Voilà, c'est ça, vous savez. Palais que je fatigue, ouais, c'est ce que j'avais vu sur le stream. Ah, c'est là, là. Fatigue en journée, la nuit au taquet. Oh, les dons. Et ouais. Bon, on espère que tu vas bien, en tout cas. Oui. L'ami de... Moi j'ai vu les trails désespérés sur les maps de ces morts de Monsieur Zerator sur la Trackmania. C'est pour quand déjà qu'il faut que tu sois au taquet pour être sélectionné? C'est pour je quand sais plus, j'ai c'est pas suivi la Trackmania Cup tout ça. Sélection. Michigan, ni camionneur. Ah là là, Rebecca, tu sais bien Michigan, hein, faut qu'on joue les 1014 oui, Carton Kings. Hein. Mais on a tellement de morceaux. Salut, Axel. Oh, mais d'ailleurs, faut qu'on travaille à un morceau de archive pour Monsieur Aishu, tu sais. Truffy. Oui, tout à fait. Et on s'est décidé sur. Ah bah non, on s'est pas décidé, on en a pris deux. Il y a Chaos. Et l'autre c'est... Je sais plus laquelle. Salut, on a mis des cœurs. Ouais, on en a choisi. Alexiel, salut Alexiel. En tout le temps, on en a choisi deux et... Non, hésite. Voilà, mais ce sera peut-être celle au piano, là. Ouais, elle était pas bien, mal. Hein, j'aime bien. C'était peut-être Sleep, non? Je sais plus. Celle au piano, je crois que c'est la Chaos. Il y a ça, Chaos, et il y en a une autre, c'est celle avec de la guitare toute dégueulasse, tu sais. En son clean, là, comme ça, un peu désaccordé. Il y a un truc un peu... comme ça là, un peu désaccordé, il joue mal. Je comprends mal, pas pourquoi. Il a décidé Rise. Ah, ah ben voilà, Rise donc. Rise et Chaos, on a pris ces deux-là pour le moment. Ah t'as vu les cœurs. Ouais. Ben voilà, donc ça va être celle-ci a priori. Ouais non mais ouais mais celle-là là, ouais bon on verra on a le choix donc voilà. Ça alors, peut être bien. Messieurs et dames, si vous ne connaissez pas Echou, donc comme le disait Rebecca, il y a du il y a de la headbang radio. Si jamais vous voulez du métal, il y en a qui voulaient du métal parmi vous ce soir. Vous êtes mal tombés ici évidemment puisqu'on n'est pas équipé pour hein. À moins de le faire ça en acoustique et faire des trucs sympatoches en acoustique. Mais si jamais vous souhaitez de la headbang radio, yes. Les après-midi, vous pouvez aller chez Echou. C'est quoi? C'est 14h, 19h si je me rappelle bien. Tu veux dire plus de archive, Alex? Hop, et le soir, il y a du jeu vidéo ouais. Très, très varié, évidemment, ouais. mais du skill. Et même des fois, il y a de la guitare et du jeu vidéo en même temps, sur des événements très spéciaux où on joue à Dark Souls avec une guitare. Et ça, c'est compliqué. Dark Souls avec juste une guitare, c'est compliqué, mais ça s'est vu. Je sais pas si il a resté très longtemps là-dessus, mais non, je crois qu'il est très, très long. Ouais, je crois que ça a été compliqué. Donc, allez follow l'ami Aishu, évidemment, si vous ne le connaissez pas déjà, mais comme on disait, on pense que, évidemment, tout le Twitch francophone connaît déjà l'ami Aishu. Non faux. Comment? Bah oui. Qu'est-ce que... Yellow, tu veux la faire au ukulélé ou à guitare? Ah merde, c'est une bonne question. C'est du turbo merde, oui, DS3 à la gratte. Ouais, c'était de la turbo merde. Et oui, la Trackmania Cup à la guitare, mon dieu. Oh mon dieu, voilà, exactement, Echou, voilà, Trackmania à la guitare. Pourquoi tu te fais chier, évidemment. Je veux dire, guitare, comment course de merde, contrôleur de... Balle là, le balle no. L'orette de château. Oh, château! Balna! Regarde! Balna! Go follow Balna! Je sais pas ce qu'il a fait ce Balna, quel jeu vidéo ou quel just chatting il a fait. Raconte-nous tout. Comment vas-tu, Balna? Voilà, le raid de chaton! Salut, Benders! Alors, elle me fait chier cette tonalité en général, mec. Mais c'est moi qui la chante! Ah, très bonne nouvelle! Me voilà soulagée! Oui. Oh là là! Allez, on est parti pour Yellow, parce que là, il est quand même 34 et qu'on aimerait bien faire... Les gars, on termine dans 26 minutes. Et ouais, avec la fête de la musique, on est obligé de terminer la musique à minuit. Phasmophobia, parce que c'était pas Phasmophobia. Ah bon? C'était pas Phasmophobia. Pourquoi c'était pas Phasmophobia? C'était pas Phasmophobia. C'est dur à dire. C'est pour ça qu'on ne chante pas ivre. And
needle to hold yellow. So when I took, so when I took my turn, oh what a thing to have done, and it was all yellow. C'est un refrain. Your skin, oh yeah, your skin bones turn into something beautiful. You know I love you so. You know I love you so. Et c'est pour ça qu'on ne joue pas du piano bourré non plus. La transposition de ces morts. Avec conviction, s'il te plaît. C'est la plus montée pour moi. Ah ouais, très bien. Enfin, que tu la fasses à la guitare, un de ces quatre. Ok, et ça marche. Bonsoir, écureuil. Salut, écureuil. Look how they shine for you. Ah non, on est un package diplomate. Hein. C'est les deux, soit rien. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas mal la version ivre de Yellow. The case ça. Ah là 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 là, la conviction. C'était tout jaune. Ah là là. Ah là là là, oui, comme tu dis. Attends, touche plus la souris. Ouais. C'est bon. Dina. Je suis repassé. Dina. Dilna. Là, regarde. Ah ouais. Dina. Hello, Dilna. Coucou. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Hello, bonjour. C'est vrai, la version Yves. Alors, on y avait pensé. Pourquoi on le met pas? Parce qu'il faut pas inciter à l'alcool. Non, pas du tout. Je sais pas si on arriverait à bien faire une version bourrée. Tu vois, est-ce que ce serait drôle? Tu vois, une version ivre, parce qu'on pourrait faire ça. Alors pourquoi pas, remarque, on pourrait s'autoriser tous les pains du monde. C'était Alex qui avait proposé ça. Ça pourrait peut-être être drôle. Encore un petit jaune. Oh, c'est une. La petite sœur. C'est une chanson à propos du Ricard. Ah putain. Yellow, en fait, tout simplement.
n'importe quoi. C'était tout jaune. C'était quoi blanc sur rouge, rien ne bouge. Rouge sur blanc, rien ne bouge. Voilà. Alors normalement c'est tout full camp mais tant pis. Bah oui c'est le pastaga, évidemment. Évidemment. Et vous avez vu dans Ratchet et Clank, dans comment Claquette et Prank, et ben il y a un PNJ, il a l'accent du sud. Oh merde. Ils lui ont fait un petit accent. Punaise. Et du coup c'est très rigolo. J'ai beaucoup aimé cette allusion à mon plat pays qui est le mien, qui est pas du tout plat parce que c'est le sud et que le plat pays c'est peut-être la Belgique, mais on a compris. Raclette et stonk. Ah il y a de la variation dans le... Très bien. Rebecca, fallait-il transposer cette chanson? Bah non, très bien. Attention, Aïchou, je vais faire des arpèges. Be purified. Pour Be purified. Pourquoi ça l'impressionne? Ah ouais, il dit waouh, attends, il fait des arpèges avec ses doigts. Putain, heureusement que tu fais pas des arpèges avec autre chose. Ah, ce serait encore plus impressionnant, dis donc. Ce serait Manitas Della, alors non, pas du tout. Hein. Hop. Merci, Be Purified. Merci.
Merci Ravencroft. Merci beaucoup. Et qui c'est Rower Music, je crois que j'ai vu popper dans le chat. Rower Music, salut. Très content de vous retrouver. Merci monsieur Aïchou. Alors, et je suis toujours interlopé. Non. Interloqué quand il y a des gens qui prononcent Aïchou échu. Ouais, comme un contrat qui arrive, tu vois, un contrat échu. Je dis, mais comment ça échu? Ils ont peut-être fait exprès. Peut-être c'est du troll. Je sais, j'ai pas compris, du coup. Après, j'ai eu un doute existentiel. Je me dis, ça se trouve, depuis le début, on dit échu. Et nous, comme des connards, on dit Aïchou. Et en fait, pas du tout. Enfin, a priori. Puisque c'est pas nous les connards. C'est ça. C'est ça. C'est ça que, non, voilà. C'est ça. Je me demandais. Ouais, est-ce qu'il. Et voilà. Prochaine chanson, Rebecca. Moi, j'aurais bien dit. Il y a tellement de bien. C'est définitivement pas vous, les connards. Des le pire, c'est échu. Ben, c'est ça, hein. C'est les échus. Ouais. Mais non, les gars, mais non. Alors, mais du coup, c'est parce que l'autre fois, on a fait une référence à toi dans une chanson. Dans J'envoie valser de Zazie. Oui, j'envoie et les qui se donnent des bijoux dans le cou, des pierres, les roses et les choux. Les roses et les choux. Du coup, on a fait les roses et les roses et les choux. Les roses et les choux. Voilà, c'est ça. Dans les roses et dans les choux. Voilà. Pour être par terre, il faut que tu aies chou. Exactement. Il faut que tu aies chou. Ah, mais il y en a plein que j'aimerais bien faire. Genre celle-là, tu vois. Travaille bien, diplomate. Bon courage à toi. Force et courage, évidemment. Et courage, ouais. Et puis on se retrouve demain à 20h, soit jeudi à 23h, soit samedi à 20h. Sinon, viens sur Discord si jamais t'as rien compris. Oui, viens sur Discord. Viens sur Discord, je fais exprès. Si t'as pas compris Discord, c'est compliqué. Ça y est, c'est déjà fait. Ah ouais, merci. Non, viens, je le remets. Très bien, merci, Rebecca. Je fais exprès d'être pas clair, comme ça vous revenez, je joignez le Discord. J'arrive plus à parler. Trop bien, Zazie, c'est mon artiste préféré. Je suis pas sûr. Hein. Je pense que c'est du troll. Moi, j'aime bien quand elle s'arrache des fois quand même. Il y a des morceaux où elle s'arrache la gueule. Ouais. Et là, c'est bon. Tu vois, dans le morceau J'étais là, elle s'arrache la gueule. C'est un truc bien dark. Salut Chirouvin. Chirouvin qui fait aussi aussi streamer. Oh Chirouvin, 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 regardez. Et paf, le Chirouvin. Test, ah yes. Oh, il a la classe là sur sa photo. Là, il est bon le rage comme ça, le rage qui bouge. Hein. Bientôt, on pourra mettre le back rage et le high rage. Ce sera, voilà, côte à côte, ça va être bien comme ça. Bah, on peut le faire, non? Oui, mais oui, non, mais ceux qui auront les deux, évidemment. Ah oui, oui. Évidemment. Double rage. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une requête pour Maoga, c'est ça? Moi, j'aurais bien fait Volcano. Ok, on fait Volcano. Comme ça, tu sors le Baron. C'est ça. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est bien. Non, ça fait deux mois, mais oui. Oui, oui, non, mais c'est... Ouais, je dirais rien. Vas-y, Gooseberry, tu peux mettre le Becky Rage avec le... Tout à fait. Avec celui d'Aishu, on va voir comment ça... Comment... On va voir qui c'est qui crie le plus fort. Tout à fait, Chef Macaroni, ouais. Elle un a stream pour m'accompagner dormir. Ah bah voilà. Super. Voilà, alors Gooseberry. Par contre, on va raid après, hein, parce qu'à minuit, il faut qu'on arrête de la faire ouais. Musique. À minuit, finito la musica. Après, on pourra peut-être faire un méga medley, comme j'aime bien, mais... Ouais, on va voir. Ouais. Oh mon Dieu, au secours, Naphiros. Oh, c'est pas du... Pas du tout anxiogène. Fais-moi l'accord. Je vois souvent ce micro, le son est d'une pureté. C'est quoi la ref? Point d'exclamation mic ou point d'exclamation micro ou point d'exclamation mics ouais. Si jamais tu veux les refs. Oh, Sarus! Ouais, le chaman! Alors c'est drôle parce que Sarus, je le croise chez Aïchou avant d'aller me coucher. Et du coup, on le croise chez nous quand il y a Aïchou. Et du coup, vous êtes tous dans ma tête, c'est ça? Fais de la musique, Sarus! Oh, il a pas mis, on avait dit qu'il fallait mettre une profile picture avec son cul qui dit Vive Becky and Cloud. Ouais. Il l'a pas fait finalement. Non, mais c'est décevant, hein, c'est ouais, tout. Non, c'est tout. Comment tu vas? Voilà, t'as la ref comme ça, Rower. Ça, c'est la Stone Origin et là, il y a l'Octava. Ouais. On est parti pour Maugas Volcano. On est parti pour Maugas. Direction Maugas. Let's go. Avec le Baron. J'ai plus la souplesse. Let's go. Devant ta femme. Your world around
to you is not what you mean to me. You give me miles and miles of mountains, and I ask for the. Ce morceau de C'est mort en question réponse, je te raconte pas pour dépioter le truc quand on a voulu relever le morceau et commencer à le jouer. Oh, tu dis mais attends, mais qui chante quoi? Et ouais, c'est vraiment le millefeuille, le millefeuille. Merci pour les câbles, merci Alexiel. Et bonsoir, bonsoir Joshou. Donc si tu arrives maintenant, il reste 6 minutes avant la fin du live musical à cause des voisins. À donc il faudra revenir demain à 20h pour de la nouvelle musique, 20h minuit. Alors, pour la fin, il va falloir... Viens, donne-moi un ordre, on va voir, on va les faire, on va faire un medley avec ce qui reste. Même l'ordre que... Attends, par quoi on finit pas ma compo, ça va être chiant ça. Mm-hmm. Tu peux la virer du coup. On peut non, finir... Non, on va la faire. Oh, non. Non. Pourquoi? En plus, il est même pas là. Donc, vire-moi ça. Dans la dynamique, ça va bon, pas. Bon, d'accord. Ça marche pas. Ça, oui, ça, oui. On peut finir par... Ça non, non, la dernière, c'est bien comme ça. Ok. Dans quel ordre alors? Commençons par ce que tu veux en fait, je m'en fous. Moi j'ai tout par cœur donc je m'en branle. Je sais que ce que tu veux. Ce que tu veux. Ça va faire un. Fais la chanson des Churros, Mickey. Ouais, il nous reste plusieurs. Merci Chef Macaroni pour ton raid de tout à l'heure. Bonne continuation. Ouais. On a follow, on verra bien ce qui se passe sur ta chaîne. On regardera les rediffs. Ah non, on a pas le droit aux rediffs. Et ben on essaiera de te choper live un de ces quatre. Merci encore à toi d'être resté parmi nous. Ouais. Lisa Nigan, ouais, Flouki, hein, Lisa Nigan. Je trouve qu'elle ressemble un peu à Rebecca, Lisa Nigan, ou inversement.
Merci pour le follow sur la chaîne officielle YouTube où il y a les vidéos promotionnelles, mais également la chaîne des VOD. Vous pouvez vous abonner également. Je viens de le mettre dans le chat. Je laisse les rediffs, n'hésitez pas. Ah, ça marche, c'est cool, chef Macaroni. Pour le moment. Pour le moment, ouais, méfie-toi, hein, ils ont envoyé un mail YouTube. YouTube. Twitch pour dire attention, faut pas laisser les VOD si vous faites des reprises. Je vous stalk un peu du coup. Mais non, mais tu fais bien Purified. Purified. On fait la chanson préférée des voisins, 359, ouais. Avec moins de cheveux. Ah ouais, les Anigan a un peu moins de cheveux. Ouais. Elle mais elle a eu des cheveux longs à un moment donné. Belle, de regardez comment elle est belle. Vous connaissez ma femme? Belle, voilà. Elle est belle, hein. YouTube Bandcamp, tout ça. Ah bah avec plaisir, hein. Et de toute façon, les réseaux, c'est là. Si vous voulez nous stalker, faut que je rajoute les VOD là-dessus. Tu t'en sors, Rebecca? C'est oui, bon, t'as c'est tout? Bon, j'ai tout. Eh ben, on va les faire dans l'ordre. Ce que tu veux. Donc, c'est Kylie Minogue, Kiss Me, Talk. Mais de toute façon, je vais te mettre les. Tu vas voir ce que je vais te mettre. Alors. On commence par. Kylie Minogue. Sans transition, c'est parti. Kylie Minogue, on y va. Je vais appuyer sur Played à chaque fois. Ok. Et voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il reste plusieurs chansons dans la songlist. On va essayer de les jouer pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire un petit bout de chaque morceau qui reste. Voilà, et on verra bien ce qui se passe. Voilà. Allez, rendez-vous au tas de sable. C'est parti. Maintenant. I just can't get you out of my head. Boy, your love is all I think about. I just can't get you out of my head. Boy, it's more than I dare.
morceau, c'est terrible. J'y vais d'un coup, tant pis. Hello, mister. Pleased to meet you. Gonna take you for a ride on the big jet plane. Gonna take you for a ride on the big jet plane. Pas sûr. Bon. This is ground control to Major Tom. You really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the castle if you dare. Toi aussi tu fais le scratch. Oui, j'ai une tendance à copier les rires que je fréquente. Ah bah joue pas surtout. Oui, c'est exactement ça. Putain. T'es salaud. Hey, t'es vraiment une sale enflure parce que il croit que je suis dans sa tête. Il me prend n'importe où. Dis donc. Ouais, exclamation minuit, effectivement, s'il n'y a pas des claps qui traînent. Oh, on marquait la fin de ce stream avec plaisir, Laurent. Oh, oui, effectivement. Mais... Ouais, non, mais j'avoue, je lâche un accord, tu pouvais pas savoir que j'étais à l'intro. Bah, mais je va me rejoindre. Non. Ben non, non. Jamais. Et c'est la fin de ce stream musical sur le fil du rasoir du couteau de la plaie. Oh là là, la lampe. Ah, la lampe. Oh là là. Quelle marade. Merci, c'est fait, pour ça le medley, évidemment. C'est fait pour faire un peu de la merde aussi, quand même, l'air de rien. Parce Allez, qu'évidemment, on se concerte pas. On torche pas, tout. Hein. C'est ça, on torche tout. On se dit, on sait pas la structure, on fait un bout de couplet. On sait même pas où on part. Non. On sait pas où on finit. Et on est là. Moi, je fais play, et en fait, il y a encore 1000 ans, je te... Mais oui, parce que du coup, si tu me fais pas play, je vois pas le morceau qui est après, alors du coup, je suis foutu. Ah, mais c'était dans l'ordre, je te les mets là. Ah, j'avais pas vu là au-dessus. Mais oui. Ah, moi, je suis pas dans ta tête. Mais je te l'ai montré en plus, je te l'ai dit. Quel salido. Ah là là. Bonne nuit, Thunderblue. Attendez, partez pas, on va faire un raid. Ah bah oui, attendez. Qui est chaud pour un raid? La dernière fois, on a raidé un petit américain bien pépouze là. Il était 7. Il était 7 chez lui. Il était 7 chez lui. Papa, oh, qu'est-ce que c'est? Merci pour les 10 euros, pour le soutien, mille merci. Merci, merci beaucoup, à toi. Rebecca. Merci, Kualkawette, pour le don. C'est la bière que t'as pas usée ce soir. Que t'as pas utilisée ce soir dehors pour te bourrer la gueule. Utilisez des bières chez vous. Voilà, envoyez-nous de la bière par les dons. Merci beaucoup. Ah, il y a le Love Crapaud qui est là. Le Space Kailou, apparemment. Ah bon? Nous dit Nafiro. Allez, il faut faire un. Mais il est, tu veux dire, il est en live, il est pas chez nous. Eh bien, je présume que si Mais non, il est pas chez nous. Non, mais. J'aurais pu avoir popé dans le chat. Tout à fait. C'était équivoque, je retire ce que j'ai dit, Rebecca. Rebecca. Oui, il est live. Alive. It's c'est alive. Vrai. Mais du coup, ça fait un moment qu'il. Un moment. Qu'il est en live, non? Putain, il est plein en plus. Il est 140 à lui tout seul. Oui, il est dans son. Oh, regarde-moi ce nouveau décor de ouf! Mais c'est génial! Allez. Vas-y, on y va. Viens, on y va. Si vous avez suivi le live, le Alive Event il y a pas longtemps. Eh bien, sachez que Doug était voilà, hein, l'instigateur. Ouais, il a fait plein de trucs. L'homme couteau suisse c'est aussi, ça. Il a fait plein de trucs. Il fait également de la musique, il fait également de l'astronomie, il fait plein de trucs en général sur son stream. Là, il vient de déménager, donc il est dans son nouveau setup, mais ça a l'air d'être ouf. Je crois qu'il y a un slider motorisé et tout, de ce que j'ai cru voir là à l'instant. Donc, attendez, on vous montre. Ta gueule, toi. First écran, Zwiz.
Regardez-moi ce petit setup avec ma connexion qui plante. C'est pas beau, ça? Regarde-moi comme il est bien, là. Il est bien installé, il est pépère. Oh, il est bien. Ouais. Oh, il a l'air bien installé, il est bien éclairé. C'est beau. C'est beau. Eh bien, donc, on va chez Space Kaelu, les petits amis. N'oubliez pas de lâcher votre follow si c'est pas déjà le cas. Envoyez-lui plein de cœurs, plein de tout ce que vous avez. Plein de space. Plein de back rage. Merci James Blast. Oh yeah. Merci beaucoup. Avant les raids, c'est ça. Ouais, t'arrives toujours juste avant les raids. Donc, on termine à minuit en général, James Blast, donc c'est pour ça. Ouais, la musique, c'est toujours minuit. Ouais, fin minuit. Allez, merci Fael TV. Bonne soirée, on se retrouve demain à 20h pour mon live en solo, si jamais. Oui, 20h demain. Pourquoi il fait ça, lui? Hop, live 20h demain, solo de moi. Sinon, jeudi 23h, jeu vidéo. Sinon, samedi 20h pour de nouveau du duo. Alors, samedi, il va se passer des trucs. Ah ouais? Samedi, Cloud, il va vous faire son solo de piano, là, qu'il avait prévu dans les défis. Alors, quand on dit solo, c'est un morceau où je m'accompagne au piano, évidemment, voilà. Pas un solo c'est-à-dire de c'est piano. C'est lui qui va jouer du piano. Rebecca, pardon, 5 secondes, bisous! Bisous à samedi! À samedi. Salut! À demain, au revoir! Ciao!